Ouais, vous faites quand même en tout ça. Loulou, il a besoin de crier. Il a besoin de crier. Maman, vous te dites tchou Ok. tchou. Donc, ouais, maman, bite, va, recule, bite. Commence pas, bite, recule. Je vais décrypter quelque chose de dangereux tout à l'heure, s'il te plaît, s'il te plaît. Maman, ne te mets pas là, bite. Reste donc, il y a une place. Ça va tomber encore. Ouais, Seigneur Jésus de Nazareth. Ismaël avait dit qu'il mangeait à la maison, il s'habillait à la maison, il dormait à la maison. Le diamant. Oh, Nge, comment on l'appelle? Démon bleu. Démon bleu. Le démon bleu. Le démon bleu. Venez, oh, on décrypte le démon bleu. La guignole de Meta. Elle veut la guignole de Meta. Venez, on décrypte. C'est le morceau là, ici, là. Qui a le titre du morceau de... Le morceau là. Coucou Véronica Mars, ma sister d'amour. Coucou Moula Tambou, la petite femme. La petite femme. Même quand elle rêve, les nerfs, elle ne se fâche pas. Elle comprend que c'est comme ça que ma petite là est. Une petite femme. Ouais, quel est le titre du morceau là, non? Chut. Les bicocs ont pris le pouvoir. Celui qui n'est pas content saute, il cale à l'air. Les bicocs ont pris le pouvoir sur Meta. Oui, oui. Celui qui n'est pas content saute. Petit zozo, tu es zozo. Allez pas, tu es zozo. Partagez le live. Mais tu n'as pas rien. Bonsoir Inès. Bonsoir l'amour Tabo. Bonsoir Jeanne Zobo. Bonsoir Inès Ticha. Ma chance d'amour. Bonsoir Jeanne Leslie. C'est Jeanne Leslie. Bonsoir Daniel. J'ai attendu la vidéo. Fétiche. Démon bleu. Un zozo. Il y a trop de zozo autour de vous. Il y a trop de zozo. On va décrypter. Oui. Oui. Dumba veut dire quoi ma grande soeur? Bonjour ma maman d'amour, maman Colette. Dumba veut dire quoi ma grande soeur? Dumba veut dire quoi? Maléva, Zozo. Y a trop d'ingrats, oui, trop de faux, oui, qui se passe autour de toi. Sont de petits caras, les petits zozos que tu prenais pour des frères au foot des toits. Oh, Maléva, aujourd'hui, ça liste ton famille. Il mangea la maison, le couscous, le piment de madame Messang, le piment de madame Messang. Elle mangea la maison, elle s'habillait chez Messang, elle a passé une semaine chez Messang. Oh Dieu, tu veux le salir, quand tu te regardes, hein, oh.
Maman Colette Doumba veut dire quoi, non? Ma Valérie, Valérie d'amour, mon Allemande. Ma Bic d'amour. Georgette et quoi? Bonjour, ma Sistou, bonsoir. Hein? Sera à Paris le 10. Ça fait quoi, maman Colette? Ya! Yeah. Maman Colette. Maman, il y a trop. Doumba, c'est. Ça veut dire quoi, non? Parle en français, non? Doumba veut dire quoi en français, non? Doumba veut dire quoi? Duchesse, Doumba veut dire quoi? Nya nya balde mon amastis tout. Heureusement que tu es la rêve. Je ne savais pas où aller. Tu es à la maison ici. Je dirais de la vérité. On garde notre personnalité. Oui. On garde la personnalité. C'est ça le caractère d'une vraie femme. Les femmes accomplies. Qui peuvent dire non quand c'est mauvais. Oui, c'est ça. Même en dehors de l'État, on garde. Donne-lui l'argent. Il dit c'est peu. Les petits. Gluta Kongosa, donne l'argent à Ngosa. Elle dira que c'est peu. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans sa vie ne connaît pas la valeur de l'argent. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé durement dans sa vie ne peut pas connaître la valeur de l'argent, ni la souffrance. Elle a toujours eu l'argent facile. Je vais vous montrer son camion rouge. Oh, on ne clash pas les anciens. C'est-à-dire que même si moi je me cible depuis, je ne me disperse pas. Vous avez compris, non? Oui, oui, oui. C'est comme ça. Hein? On peut faire ça à son grand frère. Le couple me sent, t'a nourri. Le couple me sent. Et le couple t'a nourri. Tu as dormi chez eux. Ils t'ont soigné. D'accord? Ils t'ont soigné. Le merci de madame me sent. C'est venu nous raconter le truc de l'école primaire. Oh, on va décrypter ton direct. Oh, on a de la personnalité. Doumba, c'est me bat. Tu vois? Vous voyez? Celui que tu reçois chez toi, celui qui te tue. Mbu. Mbu, hein? Laure Boution, bonjour. Bonsoir. Maman Dike, Dike, bonsoir. Bonsoir, ma. Mon amoureux, hey, mon amour de soeur, mon Amérique. J'ai des Américaines ici, hein. J'ai beaucoup d'Américaines. Il y a ma Scott d'amour. Il y a ma Sidonie. Et Yenga. On se connaît. C'est comme un rêve. Facebook m'a bloqué. Impossible de partager. Ouais, Lolo Len, ouais, je suis désolée. Saute. Rebecca, coucou. Partagez le live. Partagez le live. Zozo que tu prenais pour des phrases au foot des là. À la maison aujourd'hui, ça lise ton nom de famille. Ouais, un bête au menga. Si t'as dit, tu fais le femme. Donne-lui l'argent. Il dit c'est peu. Et si tu donnes ta main. Il prend le bras pour tout te remonter. Oh, fallait pas. Et maintenant, il nous bat. Qui me dit on va faire du bien comme aux gens, mes soeurs. Comment on va faire? On va changer nos cœurs. Comment tu fais du bien à quelqu'un? La personne vient te saboter. Ma grande soeur Valérie, Valérie, elle a fait du bien aux gens. On lui a seulement rendu le mal. Vous allez faire comment? Le rêve renaissance. Ne vous arrêtez pas de faire du bien. Gondial, tu es devenu la guignole de Meta. On a vu Madame Sang avec ses enfants. Il avait le goût. Oui, l'un couple les hauts et les bas. Mais elle est heureuse. Dieu lui a donné des jumelles. Qu'elle soit allée mettre les jumelles là, au ciel, partout. Dieu lui a donné. Si l'homme te donne, ça veut dire que c'est Dieu qui t'a donné. Dieu utilise seulement la main de quelqu'un pour te bénir. Oh, il faut que votre main passe. Vous savez même, je vous dis quelque chose. Je vous dis quelque chose de très important. Quand la bénédiction de quelqu'un passe par toi, ma, quand la bénédiction de quelqu'un passe par toi, ma, ne néglige pas ce que tu représentes devant Dieu. Je prends un exemple. Je viens chez toi. Guéri Flo, bonsoir. Je viens chez toi. Mamie Soko, je rencontre l'homme de ma vie. Je rencontre un milliardaire chez toi. Par exemple, ma chérie,
je commence à devenir la femme du milliardaire. Oh, devant Dieu, tu as compris quelque chose de solide plus que moi. Priez que la bénédiction de quelqu'un passe à vous. Priez que Dieu vous utilise pour bénir quelqu'un. C'est quelque chose d'énorme. Ne soyez pas jaloux d'avoir béni ta soeur, d'avoir béni ton frère, et que demain, il te redonne le mauvais cœur, il te redonne la haine, l'ingratitude. Maman, quand ta bénédiction de quelqu'un passe par toi, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus doux. La seule chose que tu dois éviter de faire, c'est de faire la jalousie. Tue la jalousie. Parce que Dieu t'a utilisé pour bénir quelqu'un. Pour qu'une femme devienne la femme d'un milliardaire. Tue la jalousie. Et tu tues la jalousie. Tu sais, tu vas gagner plus que... C'est-à-dire que ce qui tue souvent les gens, c'est la jalousie. Gong, valait pas. Tu es devenu la guignole de Meta. Tu ne peux pas salir, monsieur Messan. Dieu nous a donné la bouche pour parler. Ma caca d'amou, caca kong, mon amour, ma sistou. Dieu nous a donné la bouche pour parler, Gondjal. Tu es devenu le jouet de Meta. Tu es le guignol de Meta. Donc tu as vécu avec les méchants. Tu ne connaissais pas leur vie. Ya. Non, j'ai mal, hein. Quand j'entends comment la fille l'appelle monsieur Messan, je n'en reviens pas. Tchis! Maman, attendez, vous montre une vidéo, les filles. Je vous montre une vidéo. On commence le décryptage. Vous savez, demain c'est dimanche, on n'a pas grand chose à faire. Mais on commence rapidement le décryptage. Vous comprenez, non? Tchai! Assiste-toi, maman.
Bonsoir Duchesse, bonsoir Belmiro, bonsoir Kakakon, bonsoir Lolo vous dépasse, merci beaucoup pour tes... Merci Mamie Socor. Guéri Flore, bonsoir Massistou. Bonsoir Sidonie. J'ai déjà dit bonsoir Sidonie, je crois que j'ai dit bonsoir à tout le monde. Belmiro, bonsoir, on va aller. Eh hey, Seigneur, monsieur me semble avoir fait une station de grâce. Quand j'écoutais la fille parler de me sang, je dis, hé, hey, Seigneur, c'est toi qui parles de monsieur me sang comme ça. Merci pour mes 1000 étoiles, merci beaucoup. C'est toi qui parles de monsieur me sang comme ça. Maman, même qu'on est aimé et qu'on parle, même qu'on a les problèmes, les différends avec quelqu'un, on part, on tourne le dos. Ma soeur! C'est toi qui parles de monsieur me sent comme ça. Hey. On va décrypter, dis donc. Raï Kakpo, bonsoir. Le sujet. Tu as toujours été sournoise. Tu bonsoir, ma grande Satana, bonsoir. Tu as porté cette maladie quand tu... On commence. Tu as toujours été sournoise. Tu vends le piment. Tu as porté cette maladie quand tu es venu à Paris. Bon, on va commencer par le commencement. Je vous cherche une vidéo où Fleur de Lys est allée enlever sa copine du piment. Elle a dit à sa copine que tu vas sortir de la maison du lieu sien. Tu vas sortir du camion. Je ne te laisse pas. Écoutons d'abord. T'appelles tout le temps. Viens nous dire, tante et ta... J'espère que vous allez bien. J'espère que vous... Bonsoir, Ella Bronzy. J'ai les larmes aux yeux. Il y a certaines personnes sur la toile... qui ont tendance... En tendance... Partagez le live, sensibilisez vos amis. Partagez le live. Je suis venu ici vous dire que il y a des personnes, moi quand je viens parler d'un sujet, il y a des personnes que je... Tu as toujours été sournoise. Tu vends le piment. Tu as porté Daniel cette maladie Coco. Quand tu es venu à Paris. C'est après que tu as accouché ton fils que tu as abandonné à Paris. C'est pour ça que tu fuis. Bonsoir, Chetina. Tu quittes la Suisse. Dans les chambres de passe où tu vivais. Les filles bagarraient avec toi tout le temps à la réunion. Là-bas, on t'insultait tous les jours. Est-ce que je mens? Non, tu ne mens pas. Tu mens souvent. Et les filles sont même prêtes à venir témoigner. Les filles sont prêtes à venir témoigner. Nous, on veut les filles qui témoignent. Madame Messang n'a jamais vécu en Suisse. Madame Messang n'a jamais vécu en Suisse. C'est toi qui vendais le piment. Maléba, c'est toi, j'appelle ton nom, c'est pour toi. Hein. Je suis trop prête pour la plainte. Parce que ton dossier est comme ça, dans mes archives. C'est toi qui vendais le piment. Et dans cette vidéo, c'est ta cour. Va prendre, ne commence pas la session à te faire mentir que tu veux me déranger. Non, va prendre glace. Prends un verre. Où est ton gobelet? C'est toi, Ngondjal. Le diable bleu. Le diable bleu. C'est toi qui vendais le piment. Tu es arrivé en Europe depuis plus de 25 ans. Tu es directement allé vendre le piment. Voici ta copine ici. Elle est venue te chercher. J'attends. Tu es là-dessus. Voici ton camion rouge ici. Ma, voici ton camion rouge ici. C'est dans ce camion que tu vendais le piment. Est-ce que nous sommes d'accord? Ah, je suis pas en direct, elle est calme. Mais va rester à vivre, elle va rester à vivre. Elle. Va rester à vivre, elle, maman. Loum Anti, bonsoir ma sistou, ma grande soeur chérie. Voici le camion. Non, s'il te plaît. Voici ton camion ici. Voici ton camion ici. Maléba, voici ton camion ici. On appelle l'endroit-ci le lieu saint.
C'est ta co qui est venue te chercher. Voici, on lui a dit que ton camion était rouge. Elle a fait le selfie comme ça devant ton camion. Elle a fait le selfie. Voici ton camion, Gondjal. Elle me dit quoi? Elle me dit tebe. La tebe de Meta. Voici ton camion ici. Jamais on a vu Madame Messam dans un camion. Voici ton camion. Il était rouge. Voilà ça. Voici ton camion ici. Ton camion. Tu as compris? Ce n'est pas Madame Messam qu'on a vu. En voulant salir les gens, n'oubliez pas que vous avez vos dossiers. Bonsoir Charlotte. Voilà ton camion, démon bleu. Démon bleu. À 23h, les enfants sont debout. Non, ils ne sont pas debout. Ils vont rester debout jusqu'à 6h du matin. Appelle le social. Appelle le young and am. Ils sont debout. Frère, il y a quelque chose, tu t'as moi. Dégage. Idiote. Ils vont rester debout jusqu'à 7h. Demain, ça ne chauffe pas. Ou c'est moi qui ai accouché, c'est toi qui ai accouché. Mais bim, écoute, tu as compris. Mais bim, écoute. Voici ton camion ici. Voici ton camion. Ta copine est venue te chercher. Tu sors! Tu vas sortir. Babette! Tu es la pute! Une prostituée qui me tient de prohibite! Une prostituée qui me tient de pute! Vous allez sortir! Moi, je dors ici! Je dors ici là-haut! Je ne bouge pas mon monter quand la drogue là! Tout le monde est! Lui reste là-bas avec elle, c'est mieux, reste avec elle là-bas. Mami camion, oh, ça! Mami camion, oh, non, Fleur de Lille, ta vidéo aussi, hein, tu ne vas voir le. T'as dit qu'on devait te dessiner, la vidéo aussi avait le goût. Ah, mais Mami camion, elle fait le selfie. Non, tu connais. On devait te dessiner, t'as dit que tu ne vas voir un prix. C'est ça! Je cherche cette fille, elle va confirmer le code. Qu'est-ce? Ici, là, c'est Mbeng. Sortez du camion! Bonsoir, Sandrine. Sortez du camion! C'est ça. J'attends que tu sors! Tu sors! On appelle ça un langage non-verbal. C'est-à-dire que elle se met comme ça, fait le selfie. C'est pour montrer à l'informateur que j'ai repéré le camion. Donc, quand elle te met la vidéo là comme ça, j'ai repéré le camion. Voici le camion ici. Babeb! Tu fais la pute! Une prostituée qui me tient de prohibite! Une prostituée qui me tient de pute! Vous allez sortir! Ok! Moi, je dors ici! Ok! Je dors ici là-haut! Je ne bouge pas mon monter quand la drogue là. Tout le monde Mami camion, oh, ça. Ça chienne. Tu as fait quoi? La vidéo aussi, hein. Où elle se met, dit Mami camion. Gueule. Ouais. J'ai parti jusqu'à Pouba pour les ancêtres avant que le grand frère marche avec le monde. Je te jure, Tadana. Maman. Alors, on va la voiture, on part. Dis donc, elle n'est pas. Rien à foutre, putain, une chienne comme ça se permet de faire par qui? Je gâte, je suis là. Vous avez fait quoi? Sortez des voitures, venez me taper, voix. Vous allez me taper, non? C'est tout. Sortez, vous me bastonnez, voix. Oh, le camion, bah, oh. De pute. Maman, le camion, vous m'encouragez, vous m'avez fait la pute, bah, de pute. J'arrête là parce que ma fille dans la chambre et mon fils, on va continuer, j'ai mis au haut-parleur, on va continuer. Et elles sont prêtes même à appeler ton nom qu'on t'appelait avec là-bas. C'est tout. Vous avez dit que vous... Vous avez compris. Mami camion, oh, c'est ta copine d'aujourd'hui qui allait te retirer au lieu sain. Tu étais caché dedans. Et tu viens dire que madame, ça, nous, on veut voir. Oui, on veut voir. Tu démarrais tous les matins. Tu allais au lieu sain. Ta copine, on a souffert ta copine que, comme tu vois là, elle ne go pas au travail, elle go le sein, le camion est rouge, voilà ça. On a capturé le con, on a capturé ta copine. Ouh, 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 mami camion, oh, ouh, il n'y a pas le seau, tu n'utilisais que le seau, hein, et les serviettes, hein, il n'y a pas de douche, mais encore les maisons closes, parce que là-bas tu peux prendre une bonne douche chaude. Mon camion, tu fais comment? Oh, au camion, tu fais comment? Ce n'est que le seau. Tu prends un petit seau. Tu fais comment? Et bien, tu mets dans les bouteilles. Dans les bouteilles minérales. Tu alignes les bouteilles. Tu fais les petits serviettes. La saleté de ça. Oh! Diable noir. Diable bleu. Quand les femmes ferment, parlent, tu la fermes. Quand les femmes parlent, tu la fermes. Parce que voilà une femme qui vend le piment dans un camion. Il n'y a pas d'eau.
Il n'y a rien. Comment tu fais? Comment tu fais? Avant de nous appeler sales. Regarde-moi, je n'ai pas mis le filtre. Zéro filtre. Je n'ai pas mis le filtre. Comment tu fais dans un camion en plein été? Tu utiliserais quoi? Et tu viens parler aux femmes et on va vous laisser mettre la saleté sur mes tas. Tu utiliserais quoi? Les lingettes, les petites serviettes, quoi? Et tu rends le soir. Vraiment, les enfants, nos enfants qu'on accouche, nos enfants, ou nos enfants, Seigneur, épargne mon fils. Tu rends le soir. Oh Seigneur, les odeurs nauséabondes de ça. Et tu oses appeler les femmes sur méta. Sale. Fubochène, bonsoir Hélène, oui. Tu utilises les lingettes. Après une heure, je peux utiliser le mot. Et tu oses nous appeler des femmes sales. Des malades. Marie Yahou, qu'on parle de femmes sales. Tu es l'exemple de la femme sale. Parce que quand tu démarres ta voiture à 7h du matin pour aller au camion et revenir à 17h, tu prends la douche où? Dis-moi. Tu prenais une douche où? Et tu oses parler aux femmes. Tu te mets dans ton Facebook de merde avec ta salle d'Italie. Tu me parles, moi. Tu me parles. Tu m'appelles saleté. Tu vas regarder. Tu fais un direct comme moi sans filtre. Tu peux faire un direct comme moi sans filtre. Tu peux pas. Regardez-moi les wakas de camion. Elles osent. Tu veux transporter ton image, ta vie, pour mettre sur la vie des autres. Hein? Tu veux transporter ton image, tu veux transposer ton image sur la vie des autres. C'est pas tout le monde qui vend le piment au camion. Mieux encore la maison close, mieux encore l'appartement, parce que tu peux aller prendre une bonne douche. Tu peux aller prendre un petit café entre-temps. Tu peux aller fumer un coup entre-temps dans un cadre propre. Les idiotes s'assoient dans l'habitacle d'un trou à rat comme camion. Elles viennent nous parler fort. Tu vas la pute, ça n'a pas mon problème. Tu es malade. Sortez de la prostitution. C'est mon problème. Mais Flo, tu as les mots cruels. Hein. Codement. Codement. Une mandiata. Tu arrives en Europe. Tu dis que Nadège ne va pas te trouver en Europe. Tu n'as même pas honte de dire ça à ta bouche. De sortir ça à ta bouche. Tu as fait venir qui? Tu as plein de nièces. Tu as fait venir qui? 25 ans à nourrir les hommes. A dit que je m'habille chérie, bloque-t-elle. Chérie, bloque-t-elle. C'est ça ton... C'est ça. Je comprends pourquoi tes frères se plaignaient chez ton ex. Tu souilles tout le monde. Tu es devenu la guignole de méta. Tu ne peux pas parler à Madame Messang. Tu ne peux pas. Socialement, elle te tape. Intellectuellement, à son niveau et ton niveau, elle te tape. Maritalement, elle te tape. Religieusement même, elle te tape. Parce qu'elle ne dit pas ces deux mots. Elle préserve sa bouche. Esthétiquement, elle te balaie. Culinairement, elle t'écrase. Oh, écoute-moi très bien. Madame me sent. Physiquement, elle te piétine. Tu comprends? Physiquement, elle te piétine. Intellectuellement, tu ne passes pas à côté. Maritalement, tu ne passes pas à côté. Spirituellement, elle est mieux que toi parce qu'elle se tait. Elle ne parle pas comme nous. Socialement, elle te dépasse de très loin. De très très loin. Maman. Tu es la dernière des blogueuses. Écoute-moi très bien. Oh, n'envoie pas tes gamins me clasher. Je dis que 2024. J'aime ici. Tu es la dernière des blogueuses. Ce que tu as montré hier montre que tu es la dernière des blogueuses. Tu ne peux pas parler à Madame Sang. Ceux qui t'encouragent se moquent de toi. C'est pour ça que tu es guignol. Même ceux qui sont avec toi, pour eux, tu n'es qu'un guignol. Tu as compris? Parce que à quel domaine tu défends, tu dépasses Madame Sang? Parlons peu, parlons vrai. Mouvement, quel domaine de la vie tu dépasses Madame le sang? J'ai cité physiquement, elle te crase. Tu dis qu'elle a refait son corps, non? Elle a refait son ventre, je te le conseille. Toi-même, tu as refait ta poitrine. Ta poitrine ne t'appartient pas. Tu as refait ta poitrine. Nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Elle a refait son ventre, c'est normal. C'est une maman. Elle a accouché. Elle est mère. Porter les jumeaux, ce n'est pas facile. Porter les jumeaux transforme ton corps.
Moi-même qui ai porté, et c'est moi la chance. Ça transforme ton corps. Toi, tu pas coupé, c'est compréhensible. Toi, tu faisais les seins pourquoi? Parce que les clients ont... Aucun bébé n'a tété, c'est moi les clients. Tout le monde. C'était pourquoi? Mais ce n'est pas pour montrer ça aux clients. Tu faisais tes seins pour qui? Une femme qui a bonne, elle peut dire que lui, elle a refait sa poitrine parce qu'elle a allaité. Toi, tu as fait ça pourquoi? C'était pour les jobs, les clients. Toi, cache-toi, guignol. Cache-toi. Quand les femmes parlent, tu te tais. Et c'est les négumènes là qui me disent rêve saleté. Parce qu'il va démonter moi. Parce que je m'appelle la Mélanie. Tu vois, j'ai mes 32 dents. Oh, j'ai mes 32 dents. Aucune. Il est mes 32 dents. Aucune dent ne cherche l'autre. J'ai eu mal aux dents une seule fois de ma vie. Je n'ai jamais eu le mal aux dents. Une seule fois de ma vie. C'était deux jours, peut-être un. Peut-être deux ou trois, deux jours ou un jour, j'ai eu une petite douleur. Tu as compris? Madame me sent te dépasse dans tous les domaines. Ferme-la, petite jalouse. Même Boumkena te dépasse, ma. Boumkena te dépasse, c'est pourquoi? Parce qu'elle peut lire. Boumkena, elle lit les commentaires. Elle dit que quand elle te bloque. Te bloque. J'ai le vox. Elle peut lire les vox. Boumkena peut lire les vox. Elle lit les vox. Toi, c'est pour ça que tu es toujours perdu en amitié. Parce qu'on te rapporte toujours. On a dit que. Toi, mais tu ne peux pas lire. Tu n'as pas honte? Même ceux qui tapent, ceux-là, ils t'utilisent pour faire leur monétisation. Pour eux, tu n'es qu'une guignole. Tu es guignole. Tu es la tisse qu'on balance comme ça. Je dis, socialement, madame me sent te tape aller-retour. Culinairement, elle te balaie. Elle te balaie culinairement. Je lui dis que madame me sent, descends nous monter ta cave. Tu verras ce qu'on appelle la cave d'une femme. Culinairement, elle te balaie. Physiquement, elle t'écrase comme le grumier. Oh, physiquement, elle t'écrase comme le grumier. Maritalement, elle fait ouf, ouf, tu disparais. Elle fait ouf, tu disparais. Même l'éloquence, madame me sent, tu n'as pas. Pas parce qu'elle ne parle pas. Nous, on l'a vu parler. Tu n'as pas son éloquence. Quand elle parle, elle a le tempo. Il est idiot. Il était venu manger chez moi. Mais il dit, Niam Chacal. C'est difficile. Hein? Quels sont les gens qui te prennent comme ami? Je me demande comment tu fais. Thierry ne t'apporte que du malheur. Ta vie, c'est danser sur TikTok. Oh, moi, je peux m'habiller. Je danse tous les jours sur TikTok. Habillement même, madame me sent écrase. Attachement de foulard, tu ne vois même pas son carreau. Attachement de foulard, tu ne passes pas à côté. Tu es jalouse. Parce qu'elle t'a chassé comme une vieille chaussette. Elle t'a chassé comme un chien arraché. C'est pour ça qu'on vous dit, monsieur me sent. Même celle qu'on appelle Boumkena, je ne peux la voir dans vos lives. Filtrez-moi ces gens. Un homme comme vous, vous parlez quoi, Boumkena. Plus jamais dans vos lives. Facebook, on va se respecter sur Facebook. Zéro mélange. On se mélange pas la racaille. La racaille te clash, tu ne réponds pas. On s'est trop mélangé. La fille du commissaire priseur s'est trouvée en train de parler avec n'importe quoi. C'est terminé. 2024, on va signer le blog. Vous allez clasher seul. Seul. Il n'y a qu'un Goussa que je peux répondre. Le reste ne vous gêne pas. Je ne vous gêne pas. On écoute. On écoute. La bêtise. Porter plainte aux gens, non. Moi, je n'efface pas mes directs. Mais j'ai envie de dire à Ngombongo Indi que j'espère qu'elle pourra courir. Parce que les personnes incompétentes que tu as pris, toi, des FAO. Oh, tante, mon Gondial, tu parles bien français, hein? Tu t'exprimes bien. Hein? Tu... Vous avez compris, continuons. Les personnes incompétentes. Panjansan, tu as pris les personnes incompétentes pour dire que tu vas faire les citations directes. Hé! Hey. J'espère que. Je viens commenter. Tu vas sauf que être. C'est qui? Je la bannis, c'est qui? Chancelier. Chancelier Bio, c'est qui ça?
Je ne la connais pas. Mais je la vois avec une photo de... Bref, je ne la connais pas. C'est qui, non, la fille? Bongo Indie est prête et qu'elle va courir. Et tout son entourage qui est autour d'elle. Mon fils, là. Mon fils, là. Arrêtez vos menaces à deux balles. Quand vous insultez les gens, on peut aussi vous insulter. C'est qu'ils se retrouvent sur Facebook, publiquement, mais même personne nulle part. Vous avez les avocats, on a aussi les avocats. Vous avez compris? Aucun trafic de viande ne passe au Cameroun. Il y a les réseaux sociaux. Oh, écoutez-moi très bien. Il y a les réseaux sociaux. Ne dis jamais au Cameroun que tu as la relation. Mais celui que tu négliges est celui qui a même la relation plus que toi. Le trafic des viande ne passe pas au Cameroun. On lit le droit. On lit le droit au Cameroun. On lit le droit. Zéro trafic d'influence. C'est qui ça? Je ne la connais pas. Bonsoir Georgette. Bonsoir Chancelier. Hein? Ne me bannis pas, pardon. Mat, c'est qui ici, non? Chancelier. Enlève d'abord le nom, là. Marie Jolie, salut. Écoutez, 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 on fait vite. Parce qu'ils n'ont pas déjà pu cotiser pour sortir son enfant. Change le profit, tu reviens, ma, comme ma mascotte a dit. Elle lit. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle lisait. J'espère. Elle lisait. Peut-être des FAO. Là où tu es là, vous appelez les gens, les affamés. Ouais. Partez prêter l'argent de gauche à droite. Ta femme a fui la Suisse, pourquoi? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi est-ce que elle a fui la Suisse? Ok, Tatana. Elle a fui la Suisse parce qu'on a dépisté qu'elle était malade. Elle est venue faire le sasayé. Ethan, on va aller voir Ethan, tu as compris. Lolo, Gloria, Lolo, Eva. Eva, on va aller voir Eva, d'accord? Bonsoir Marie Jolie, bonsoir Elsa. Sa femme a fui la Suisse. Dis-nous non. Le sasayé à Paris. Ah? Et son gars l'a connu comment? Defao t'a connu comment, maman? Maman, l'homme est mauvais. Vous écoutez comment la femme s'y parle de son grand frère. Un monsieur qui l'a mis en haut. Vous étiez tous là quand elle allait signer son fameux contrat. Comment le monsieur la mettait en haut. Le monsieur venait la chercher en voiture. Ils allaient ensemble à Paris. On lui donnait tous les honneurs qu'il fallait. Bonsoir Prado Monti. Tous les honneurs que monsieur Messan lui a donnés. Les gens que vous, qui vous, à qui vous faites du bien. Et souvent ces gens-là qui vous tuent. Tu sais que sa femme a fait le sasayé à Paris. Je te le conseille. Elle a fait le sasayé, mais elle a trouvé un homme qui l'a épousé. Toi, qui a fait le camion aussi. Depuis, on ne t'épouse pas. Continue à encourager, garde. Quand la police arrive, je m'en fous, je suis dans mon pays. La France, je suis française. Sortez du camion. Sortez, on garde. On garde. Cette chienne. Bas de pute. Allez, attends, tu as les mots durs, hein. Tu sais qu'il y a des enfants dans cette maison. Porte un peu le langage. Sa femme, selon toi, a fait le sasayé. Comme tu as fait le sasayé au 17e, meilleur homme qui l'a pris. Que je vais faire de toi, ma femme. Qui t'a pris? Qui t'a pris? Tu nous avais dit qu'en décembre, Thierry allait t'épouser. Nous sommes là en février. Oh, nous sommes bientôt en février. Bonsoir, Seke. Bonsoir Karine Nikes. Nous sommes en février. Elle a tourné à Paris. Concédons Sangosan. On te le concède. Oui, mais il y a un homme qui lui a dit que je te prends pour épouse. Contre vents et maris. Je te mets à mon côté. Tu seras la mère de mes enfants. Je vais faire de toi une épouse. Qui t'a pris, ma? Oh, qui t'a pris? Avant de venir l'insulter qu'elle a tourné à Paris. Qui t'a pris? Thierry va m'épouser. Thierry va m'épouser en décembre. Je vais me marier en décembre. Nous sommes fin janvier. Le mariage n'est pas encore coté. Il est où, le mariage? Même vivre maritalement dans la même maison, ce n'est pas encore arrivé. Même le Jomba avec Thierry refuse. Pour faire un peu d'économie.
Salomie vivaient ensemble. Et tu viens parler à une femme mariée, dignement mariée, qui vit avec son mari. On la voit comment son mari l'honore. Il honore sa femme. Il respecte sa femme. Il vend sa femme. Tu veux dormir? J'ai la faim. Mais tu es mieux de... Donne-moi le déclin. Donne-moi le déclin. Bonsoir, Raph Echo. Tu parles avec une femme? Rêve, il y a beaucoup de janvier. Hein? Chérie, ne t'as pas encore valorisé. Tu dis que madame me salaire montée descendue. D'accord. La guignol, la tebe de méta. Mais monsieur lui a dit que, ma chérie, ta course s'arrête là. Je te prends à mes côtés, je te pousse, je fais de toi la mère de mes enfants. Tu as quel niveau avec Thierry? Tu as quel niveau avec Thierry? Non, pas de chips. Pas de chips ici. Pas de chips à l'heure-ci. Pas de chips. Mange. Tu as quel niveau avec Thierry? Vous voulez quoi, ce monsieur? C'est vrai qu'il était beau. C'est vrai qu'il était un bel homme. Mets-toi là, je ne vais pas te porter ici. Va qu'on te voit. Vous voulez quoi, ce monsieur? Il vous a tué qui? On voit monsieur message cajoler sa femme. Aimer sa femme. Respecter sa femme. Dans tous les couples, il y a des problèmes. Mais la majorité des temps, ils sont unis. Papa, à quel moment? On t'a vu une vidéo où tu dis à Thierry, je vous montre la vidéo là. Tu dis bisous, bisous. C'est toi qui demandes le bisou à ton mec. Oh ma chérie, quand le gars voit ma bouche, il veut seulement me mordre. Je suis même fatiguée de la mort. On négocie. Oh, on négocie pour me mordre. C'est toi qui dis à Thierry que bisous. Tu es malheureuse. Tu es malheureuse. Tu es malheureuse. Je montre la vidéo là. Aux internautes. Je montre ça aux internautes. Nous, on est sur toi. On ne gère pas le reste. Déterrer ma mère, je ne gère pas. Nous sommes sur toi. Défao t'a connu. Ah, il appelle son grand frère Défao. Oh, la terre est sale, les filles. La terre est sale. La terre est sale. La terre est sale. La terre est sale. Tu es malheureuse. Tu es celle qui aime le plus. Ce garçon avec toi, pas pitié. Même dans la gestuelle, quand vous êtes ensemble, on voit que tu es malheureuse. Je te le prouve en vidéo. Je vais te montrer une vidéo de monsieur Messan, comment il touche sa femme. Quand un homme aime, il ne se contrôle pas. Même si l'homme le plus timide, il est attentionné. Il te montre comment tirer ton arc quand vous êtes en train de danser. Regardez-la très bien. Thierry danse avec elle. Il a les mains à la poche. Elle est malheureuse. Il sent que ici elle est gênée. Dès qu'il pose un peu la main sur elle, elle commence à s'agiter. Elle commence à s'agiter. Tu es malheureuse. Monsieur Messan ne mérite pas la haine que tu lui donnes là. On doit dénoncer les femmes comme toi pour apprendre à tous ceux qui nous suivent de se méfier de ceux qui entrent dans leur maison. Facebook m'a enseigné. J'ai honte de ton pays, mais tu es genre de nationalité, non? Mais Charles, dis-le, dégage! Facebook m'a enseigné. Je montre comment Thierry te méprise et ce n'est pas la première fois. Dès qu'il pose la main sur elle, sa bouche s'ouvre. Tu n'es pas sûr de toi. Dès qu'il pose la main sur toi, ta bouche s'ouvre. L'autre jour, tu as dit bisous, bisous. Tu viens parler à madame Messan. Une femme que son mari chérit. Son mari l'aime. Son mari lui montre que je suis fou de toi. Je suis teubeux. Comme tu me dis teubeux, je suis teubeux de toi. Voilà Thierry. L'ouvre le gars est quand? Voilà le gars est quand. Voilà Thierry. Regardez la malheureuse, regardez la malheureuse, regardez la malheureuse. Ah, la voix sort, la voix sort. Regardez, il remet la main à la poche. Regardez, regardez. Oh, vraiment,
tu me fais de la peine. Ma, tu me fais de la peine. Même dans ton couple, tu n'es pas heureuse. Même dans ton couple, tu n'es pas heureuse. Regarde un homme qui dit... Regardez-moi son visage. Son visage. Son visage. La malheureuse. La malheureuse. La malheureuse. Il a constaté, il met un peu la main pour la rassurer. Il a rassuré un peu. La voix sort. Il remet les mains à la poche. Regarde, regarde. Regardez-moi ça. C'est quelle couleur ça? C'est une bêtise. Regardez-moi ça. Et tu viens parler à monsieur Messin qui dit star est monté, star est descendu, star est monté, star à gauche, star à droite, star devant, star. C'est ça qui vous dérange. C'est ça qui vous dérange. Parce que vous êtes jalouse. Un homme apprécie sa femme, ne soyez pas jalouse. C'est sa femme. Ne soyez pas écrit. C'est ça qui vous embête. Parce que monsieur aime sa femme. C'est ça qui vous dérange, l'aigreur. Il n'y a personne qui vous valorise comme ça. Ils sont dans les maisons cachées. Oh, ils sont cachés. Monsieur Messaka, il apparaît, dit star. Il vous donne des insomnies. Quand tu la regardes, tu dis que pourquoi elle, pas moi. Thierry n'arrive même pas à te danser. Attends, on continue. Il y a une autre vidéo de Noël, de bonne année. Elle dit bonne année, fais-moi bisous. J'ai effacé les conneries de mon téléphone. J'ai effacé. J'ai effacé. C'est dans l'autre téléphone. Bonne année, fais-moi bisous. Tu es malheureuse. Maman. Des fois, tu as connu dans les clubs échangistes en Suisse. Maman. Comment on a. On peut être une femme chanceuse comme ça. Mon mari me connaît dans le club échangiste. Il me sort dans le club échangiste, m'épouse, maman. On peut avoir l'onction comme ça. L'onction de madame Messin est trop forte. Elle a une onction trop forte. Ton gars te trouve dans le club échangiste. Il te prend. Il dit que viens ici. Je vais t'épouser, maman. Il faut être béni. Ouais. C'est rare de voir une femme camerounaise. Je n'ai pas dit que le blanc, hein. Un gars bassa, un bicoque. Dieu, les bicoques sont durs. Un bicoque dit qu'il te prend. Même si le club échangiste, il t'amène. Le mensonge t'a fait quoi? Tu es debeu. Tu es guignol. Tu amuses la galerie. Toi, tu nous fais rire. Même ceux qui sont avec toi rigolent. Tu amuses la galerie, ma chérie. Et ceux qui te conseillent de faire ce genre de direct, c'est une page que tu appelles la maman, les enfants de maman. Cette page est consacrée à tes orphelins, non? C'est ce que je sais, non? Ta page est consacrée pour tes orphelins. Et c'est cette page que tu te permets d'insulter les mamans décédées. Thierry te sert à quoi? À te bastonner? À quoi te sert Thierry? Démon bleu. Sylvie Bacop, merci beaucoup. La page, si. Tu nous as dit que c'est la page des orphelins. C'est sur cette page que tu insultes les orphelins. À quoi te sert Thierry? À quoi te sert Gluta Kongosa? C'est cette page que tu insultes les orphelins. Parce qu'elle, elle a décidé qu'elle n'insulte plus sur la page de Thomas. Elle t'a dit, n'insulte plus sur ta page principale. Tu choisis la page des orphelins pour dire à la mère du Cambindo qu'elle est morte par négligence, parce qu'elle avait faim. Cette page que tu choisis, change de page. Crée une autre page. Mon conseil est gratuit. Il est gratuit. T'as précisément souvent les chambres, les maisons de passe. Parce qu'il gérait une chambre de passe. Rêve, s'il te plaît, tu peux bloquer les têtes de moi. Il y en a. Je ne vois pas. Il y en a. Amalia. Amalia, bonsoir. Bonsoir, idiote du net. Bonsoir, Marie-Julie. Remarquez bien, les personnes handicapées sont foncièrement méchantes. Gringa est handicapé, il est très... Prado Montel, Zoé Zoé, bonsoir. Jeanne Beauté, bonsoir. Sylvie Bacop, bonsoir. Bonsoir, Vonvon Smith. Il y a les têtes de mort. Je ne les vois pas. Hein. Une maison close. Ha! Oh, Madame Sango. Madame Sango dit que demandez-lui ce que je lui ai fait. Madame Sango dit que demandez-lui ce que moi je lui ai fait. Elle dit qu'elle voit ça comme la magie. Madame Sandique, elle voit ça comme la magie.
Bonsoir, direction assistée. Madame Sandique, elle voit ça comme la sorcellerie. Demandez-lui ce que moi, je lui ai fait. Pardon, qu'elle vous dise ce que je lui ai fait. Parce que depuis, je cherche, je ne vois pas. Vous vous dites qu'elle a fui quoi? C'est une grâce blanche, ma faute. Quand un homme te sort, je dis, un Camerounais, un bicoque te sort. On t'accorde même ça. On t'accorde même ça. N'attire pas les étoiles, pardon. On t'accorde même ça. Mais l'homme l'a sorti de là. Toi qui as pris Thierry à la petite Tatiana. Tu as pris Thierry à la petite Tatiana. Il t'a amené où? Même toquer la porte. Il n'a pas encore fait. Il dit que même toquer. Il y a les têtes de mort dans ce direct. Même toquer, Thierry n'a pas fait. Tu attends quoi? Tu veux me parler à une femme. Soi-disant, elle vendait le piment. Je te l'accorde. Mais un homme l'a pris. Toi, Thierry, attends quoi? Maman, tu es nuisible. Ouais. Écoutons. Là, en bon français. Merci pour les étoiles. Une maison close. Merci. Parce que apparemment. C'est sur le journal. Vos, merci beaucoup, merci. Merci Sylvie Mbakop, merci Lolo Gloria. On fait les annonces là-bas, au journal. Ils ont un journal qu'on a, on fait les annonces. On peut être malheureuse comme ça. Comment elle est au courant de tout ça? Ils ont un journal où on fait les annonces. Pardon, donnez-moi aussi le journal et cherche ma part. Pardon, je veux aussi aller là-bas. Peut-être en allant là-bas, un Camerounais va venir me sortir de là. Donnez-moi aussi le journal, non? Ils ont un journal. Ils ont un journal. Quel journal? Anne-Louise. Oh, elle s'appelait Anne-Louise comme ma maman. Ma petite fille, c'est terrible. Hein, je ne vous mens pas. Si vous la voyez, vous allez die de l'eau de rire. Elle est terrible. Maman! J'ai les commentaires bizarres. Même les maisons, c'est, on fait les annonces au journal. C'est comme ça qu'est tombé. Merci Marie Jolie. Merci Vonvon. Merci beaucoup. Tais-toi, maman, tais-toi. Celui, ça tombe que c'est un gars bah, ça, comme elle. Elle commence à walk pour. Elle dit que. Ouais, la tebe. La tebe de Meta. La guignole. Elle dit que le. Commence à sortir ensemble. Uh-huh. Entre temps, uh-huh. Il est avec la star. Uh-huh. Bonsoir. Notre star. Nadège. Uh-huh. Quand ils commencent à sortir ensemble, il me dit, à moi, il me dit que. Écoutez. Tebe. Quand les problèmes commencent ici, uh-huh. Avec l'ex qui est au pays, où il est parti prêter l'argent sans personnalité. Un homme ridicule, il passe à soi. Quand monsieur Messan a connu sa femme, ma chérie, tu ne parlais même pas avec lui. Parce que nous, on t'a vu à tes débuts avec monsieur Messan. Monsieur Messan connaissait Fleur de lui, ne te connaissait pas. Il n'avait jamais entendu parler de toi. Tout s'est passé sur Meta devant nous. Arrête de mentir. On a la bouche. Tout s'est passé sur Meta. Monsieur me sent, son affinité, c'était avec Fleur de Lis. Il ne te connaissait pas. Il ne connaissait pas son existence. Tu n'es pas la catégorie de personne avec qui il marchait. La preuve, tu dis qu'il sortait avec la star. Et à ce moment-là, elle était au sommet de sa gloire. Elle était au sommet de sa gloire. Tout le monde voulait la voir. Oh, ma chérie, écoute-moi très bien. Le ventre, le bas-ventre, elle était au sommet de sa gloire. Tout le monde voulait la voir, mais elle a eu, elle a jeté son dévolu, elle a aimé ce monsieur. Tu n'étais pas sa catégorie d'amis, tu peux me péter dans son cercle d'amis, C'est d'abord Flo qui connaît monsieur Messan. Toi tu viens après, il te prend par être sa soeur Betty, il ne te connaissait pas, il n'avait jamais entendu parler de toi. Tu ne pouvais même pas peser parmi ses amis, il n'avait que des amis stars. Il ne marchait qu'avec des stars. Et les faiseurs de stars. Tu étais perdu dans ton camion. Quand monsieur me sentait avec la star, tu étais ici. Mais qui te connaissait? Ma chérie, quand monsieur me sentait avec la star, tu étais ici, ma chérie. Tu es cassé la salle pute du Cameroun, sortez! Parle doucement.
Fais le bep. Tu vas sortir. Tu vas sortir, tu es ici. Là. Tu es ici. Les femmes qui sont là, je les filme. C'est ici que tu étais. Je cherche le compresseur. C'est ici. Je cherche cette fille. C'est ici. Elle va confirmer le code. Qu'est-ce? Ici là, c'est Mbeng. Sortez du camion. Voilà ton camion. Sortez du camion. Mais je vais mettre une pause. J'attends pour que les Camerounais voient à quoi ressemble ton camion. Mais ma chérie, te menti. Quand monsieur me rencontre sa femme, il ne te connaît pas. C'est ici que tu étais. Voici ton camion ici. C'est ton camion. Je ne mens pas. C'est ta copine qui a dit que voici ton camion ici. C'est ton camion ici. Vous voyez les petits roues ici. C'est ici dedans. Il n'y a pas de douche. Hein. Il n'y a pas de douche ici dedans. Il n'y a ni toilette. Il n'y a rien dedans. Et tu m'appelles sale femme. Tu es malade. Oh, te beu. Tu m'appelles sale. Regarde où tu passais tes journées. Regarde où tu passais tes journées. Oh, c'est ici que tu passais tes journées. C'est ici. C'est dans ce trou à rat. Ce trou à bouillie blanche que tu passais tes journées. Et tu me parles. Oh, comment tu es la dernière des blogueuses. Depuis ça, oui. Tu es la lassa des blogueuses. T'as dit que même boum que là te dépasse. Oh, et là, même boum que là te dépasse. Voici où tu habitais. Là, monsieur me semble. Parler encore avec les stars internationales. Tu parles de quoi là? Tu es ici. Il te connaissait. Monsieur me semble marche avec toi par pitié. Par sympathie. Par empathie même. C'est l'empathie. C'est même pas la sympathie, c'est l'empathie qui pousse monsieur Messa à te mettre à ses côtés. Une gueule m'a appelé. Tu étais qui? Qui te connaissait? Tu utilisais les lingettes. Tu sors! Tu sors! C'est les lingettes que tu utilisais. Ma belle! Tu fais la pute! Hein? Hey. Une prostituée qui hey, Flo, pardon! Hey, Flo, pardon, j'ai l'enfant, pardon. On va aller dire là-bas qu'elle fait le direct devant l'enfant. Elles sont ici là, mon direct. Je l'ex de son ex. Il s'assoit, il mange jusqu'à, il boit. Il dort même là-bas. L'ex. Oh, écoutez très bien ce qu'elle dit. Quand il y avait les problèmes, jusqu'à ce que on a mis des FAO de côté. Phil Gégé, il est parti, il m'a dit. Je lui ai dit. Chiffre, c'est dedans, j'ai vu. Elle dit que. Rêve, montre-nous, hein. Montre-nous celle qui l'a cherchée. Attendez, vous montre. Allez, vas-y, celle qui l'a cherchée ici. Mais je baisse le volume parce qu'elle a le langage odieux. Une prostituée qui m'a fait la pute. Je baisse parce qu'elle a un langage odieux. Hein. Écoutez, on baisse un peu. Langassi avait fumé le bango quoi? Langassi avait fumé le bango. Tu cherches qui? Attendez, tu cherches qui? On n'a pas bien. Tu cherches qui? Tu cherches qui? Je vais mettre sur mon mie, je mettrai. Tu cherches qui? Le camion roule. Yes. Attendons, on capture. Le camion de la gloire glorieuse. Laisse ma main, maman, laisse ma main. Vous allez sortir. Moi, je dors ici, là. Je ne bouge pas, maman, c'est que la drogue, là. Tout le monde, hé.
Je sais, c'est Sako, Sako, Mako, 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 Mako dit que tu vas sortir. C'est lui qui m'a dit qu'elle ne peut rien te faire. Il m'a d'abord dit que la star l'a appelé pour dire que voilà ta soeur qui m'insulte. Il m'a dit que non, manie, insulte-la bien. C'est lui qui m'avait induit en erreur avant que Marie-Thérèse Babon. Quand j'ai su que c'était sa personne, j'ai vite avalé ma langue. Il m'a demandé d'insulter la star, qu'elle ne peut rien faire. Que si elle tente, il a ses nudes, c'est dans un CD. Je lui ai dit que papa, il faut jeter ça. Il faut détruire ça, tu es déjà marié. On ne sait jamais. Ta femme peut prendre ça un jour, elle s'énerve, elle prend ça. Il m'a dit que là où c'est gardé, là non. Personne ne peut trouver où c'est. Je lui dis qu'on ne sait jamais. Tu as vu comment la toile là est. Moi-même, on me tient au chantage, toujours avec les trucs comme ça. On a causé, on a parlé. Il m'a... Elle dit qu'on la tient au chantage. Qu'elle a dit que garde. Ouais, maman, on peut faire ça. On peut être aussi ridicule. Écoutez. Oui, il m'a dit que moi-même, j'ai ça ici. Hein? Il m'a dit que Yenoué. Comment tu peux être idiote? Tu as dit qu'il t'a dit qu'il a ça. Tu l'as dit que détruis ça. Ta femme peut tomber sur ça, mais tu ne t'as pas donné. Maintenant, tu dis que tu as ça ici. Il y a les têtes de mort. Mettez les cœurs, vous partagez. Non, je m'en fous des têtes de mort. Mettez les têtes de mort. C'est aussi une manière d'exprimer votre émotion, non? Les têtes de mort, c'est une manière d'exprimer son émotion. Mettez non. C'est pour ça que ça a été créé. Si tu es content, tu ris. Si tu es triste, tu mets la tête de mort. Si tu es fâché, c'est normal, hein? Toyomi Tabi, on ne peut rien faire. Laisse. Il m'a dit que il a les photos. Non, c'était au lieu sec. C'était au lieu sec. Donc là où la star est là, il a les nudes de la star. N'importe quoi. Il a les nudes de la star. N'importe quoi. Pas la star. La star, la musicienne. Hein. La musicienne avec qui il était avant. Hein. Il a ses nudes. Hein. Là où il est là. Hein. C'est aussi un papa. Il m'a envoyé la vidéo. Il m'a envoyé la vidéo de Zoa. J'ai ça ici. Il m'a envoyé la vidéo de Zoa. Maman Nine. Oh. J'ai ça ici. Où elle est en train de... Elle écarte le toto. J'ai tout ça ici. Qu'il m'a envoyé. J'ai ça ici dedans. Si j'entre dans son truc, je trouve ça là. Qu'il m'a envoyé. Regardez, envoie, un homme comme ça là. Envoie ça à Zoa. Envoie ça à la grande soeur. Comme tu as ça, envoie-lui. Tu montres la capture d'écran où il t'a envoyé ça. Vous ne faites jamais, toujours en train de mentir. Ton camion rouge, nous on a vu. Ton camion rouge, on a vu. Ça reste... Ça va rester dans les archives. Personne ne pourra effacer ça. Mon camion rouge. Tu as la capture d'écran où tu avais envoyé, non? Envoie ça à la grande soeur. Petite menteuse. Une tebeu. Tebeu. Tebeu, comme elle dit. Dès qu'il a commencé les problèmes avec Patricia, dès qu'il a vu que j'ai lavé Patricia, bam, il a commencé à m'envoyer les balles sur Patricia. Les balles, c'est calé, que calé. Quand j'avais dit là que Patricia, son caleçon, elle est partie, c'est lui qui m'avait dit de venir dire ça. C'est lui, les Fao, qui m'avait dit que Karl, parce qu'il se chamaille même plus qu'une femme. Nous, là, on ne connaît pas se chamailler. Lui, il se chamaille plus qu'une femme. Il t'appelle, il te dit que va dire comme ça, va dire comme ça. Comme il est en train de faire avec... Non, il t'avait envoyé parler du slip, de sa culotte. Il t'avait envoyé parler de sa culotte. Tu es venu aussi parler. Bah, tu es bête. Bah, si on m'envoie parler de ce genre de choses, même si tu es ma soeur, même, je te dirais non. Je te dirais non, je ne parle pas de ça. Comme j'ai toujours dit que je ne parle pas des parents. Je n'insulte pas les parents. Il n'y a personne qui pourra me changer ça. Mais comme tu es teubeux, tu es bête, tu es le diable bleu, tu as l'insulté. C'est tout. Tu es le diable bleu. Ngombongo Indi, Mamarabou. Tous les soirs, il va l'appeler, il va lui dire que tu as oublié quelque chose. Demain, là, quand tu vas faire le direct, dis que c'est comme ça qu'il est. C'est pour ça que j'ai... Son nouveau nom, c'est Mamie Camion Rouge. OK. Mamie Camion Rouge. Vous, que méfiez-vous. Ce monsieur-là, c'est un monsieur qui est prêt à tout.
Mais c'est toi qui es prête à tout. Parce que depuis que je prends sa défense, il ne m'appelle pas. Tu es une menteuse. Il ne m'appelle pas. C'est parce que tu es une oisive. Tu n'as rien à faire. C'est toi qui appelles les gens. Il est occupé. Je suis occupée. Je travaille full time. Le week-end, je me fais plaisir. Je suis chez moi avec mes enfants. Je travaille de lundi à vendredi de 7h à 16h30. Full time. Il va m'appeler quand? Mamie camion rouge, c'est toi qui appelles les gens parce que tu n'as rien à faire. Tu tournes à la maison en rond. Il paraît que tu reçois dans ton appartement. Hein? Oui, il paraît que tu reçois là-bas. Il paraît que tu reçois dans l'appartement là. On vous connaît. La même maison dans laquelle vous passez vos vies, c'est la même maison où vous recevez vos clients. On a vu Madame Messan. On a vu sa maison à 3 niveaux sur Meta. Elle nous a montré sa cave. Toute sa vaisselle, on a vu. C'est le jour et la nuit avec toi. Quand c'est bon, tu apprécies. Et tu t'attaches à son témoignage pour faire de ça ton témoignage. Je parle de jalousie. En anglais, on dit « deep into this testimony ». Tu t'attaches à son témoignage pour recevoir le tien. Tu reçois. Menteuse. Menteuse. La tebe de Meta. Il est prêt à tout son prochain. Si tu veux lui mettre les bâtons dans les roues, il est prêt à te détruire. Merci. Il est prêt à t'assassiner. Ah. Sa femme, c'est la plus grande. Maman, les mots forts. Oh. Yenga, yenga. Yenga, yenga. Merci pour les étoiles, ma personne. Sa femme est prête. Il dit à t'assassiner. À ce niveau. C'est vous qui allez mourir. Si vous essayez ça sur nous, c'est vos têtes qui vont tomber. Parce que Madame Messa a sa Bible. Le pouvoir se trouve dans la Bible et la langue. Il n'y a pas deux pouvoirs. La Bible et la langue. Tu tentes, tu pars. Parce qu'on vous connaît. Madame Messa prie son Dieu. Tous les matins, avant de commencer sa semaine, elle prie avec ses mamans. Toi, tu viens t'asseoir. Tu dis que tu es monté. Le loup est descendu. Il faut déjà faire ceci. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Ma camion rouge. Regarde ta vie. Ce monsieur t'a tenu la main. Il t'a tenu la main. Ma camion rouge. Quand l'enfant à l'école, tu reçois. On va te piéger. Oh, on va te piéger. Tu as confiance. On va te piéger. 2 œufs de piment au monde. On va te piéger. Il n'y a pas son deux. Hein? Il n'y a pas son deux. Si je mens. Tu ne manges jamais. Tu ne manges jamais. Tu ne manges jamais. Qui vient de faire un direct pour démentir? La plus grande vendeuse de piment au monde. Mais toi, ma camion rouge. Ma camion rouge. C'est ta copine qui te sort à la pimenterie. Elle dit que. Sors du camion! T'es caché! Sors! Va! Sors! Pourquoi du camion! Tu vas sortir! Tu vas sortir, camion! Tu vas sortir! Tu ne fais pas la pute! Hein? Ton camion fait quoi là? Hein? Ton camion fait quoi là? Sors du camion! Sors! Avec ta soeur, ou c'est qui là? Ou c'est quoi là? L'ombre, quand ta soeur! Sors du camion, tu filmes et mets sur Facebook! Je viens de lire un commentaire qui est intéressant. Von Smith a dit quelque chose. Les Lomania. Merci, ma Fongonfi. Restez chez vous. Oui, restez chez vous. Le commentaire que Von Smith a mis là, ça allait trop vite. Je n'ai pas bien lu ça. Que restez chez vous. Et ça vous gratte. Allez verser là-bas. Oui, allez verser là-bas. Allez verser dans les anciens directs. J'ai dit ça. Adon Tokam. Tu es moi, vois. Vous allez me faire quoi? À pas crier dans le camion, vous pouvez faire quoi? Oh, à pas crier dans le camion, vous pouvez faire quoi? Rien. Voici le camion rouge. On ne parle pas pour parler. On a les preuves de ce qu'on dit. Oui. Parle, Flore, parle. Parle, Flore. Parle. Sors là de là. Sors. Hein? Parle, Flore, parle. Mayaël d'amour, bonsoir. Mamie camion,
La fille de Flo, c'est 5 ans. Elle dit que ouh. Pourquoi tu te caches? Sors du camion, t'as filmé. La fille se m'a tué. C'est toi qui m'attends la puce. Elle dit ouh, lili, lili, lili. J'adore ici, là. Mais la bouche, je ne peux pas me monter quand même. C'est la partie, c'est qui me tue. Regardez bien. C'est un monsieur qui a voulu me. T'as dit, quand on dit alors que les pervers narcissiques. Qui est en train de laver qui ici? Je n'ai pas fait la pucée sur mon mur. En train de laver qui? N'est même pas bien lu. Il a. Qui fait le Congo ça de Michel? Fais attention à cette fille. Ne parle plus avec cette fille. Je dis, c'est parce qu'elle te donne les miettes. Tu fais les éloges de Michel parce qu'elle te donne les miettes. Tu vois comme moi, je peux m'asseoir comme celui là. Et comment elle dit que tu as parlé de Michel? Michel, c'est qui? C'est un être humain comme moi. Oh, elle te blase toi. Oh, ne nous blase pas. Écoute-moi très bien. C'est vrai, tu es noisive. Elle ne connaissait pas encore Parmesan, hein. Merci, Vonvon. C'est Parmesan qui t'a mis dans le camion. Il ne t'avait jamais vu. Il ne connaissait pas ton existence. Sophia Lynn. Tu parles que il t'avait envoyé parler de Michel. Michel, c'est qui devant Parmesan? Hein? Elle a quoi qu'il n'a pas? Parce qu'on veut vous blaser avec les petits dos. Oh, on a fait manger le manioc. Et garder mon honneur. Ma fierté. Tu parles de parce qu'elle va t'envoyer peut-être un PayPal. Elle t'envoie même les miettes. Oh, les Lomayas, ce sont les filles qui dégagent. Et au moins qu'elle regarde mon PayPal, elle dit que moi, c'est encore qui? On m'a envoyé les dos. Pas les petites conneries. Tu dis qu'il avait peur de Michel. Moi, elle parlait de Michel. Elle va le dire. Elle va faire quoi? Elle va faire quoi? Elle ne peut rien faire. Tu comme si tu as dit qu'il avait parlé de Michel. Michel, on me sera peur de qui? Tu parles de ces femmes parce qu'elles te demandent de l'argent. Mais nous qui savons bouger nos deux mains, on n'a pas besoin de citer le nom. On cite le nom des femmes qu'on voit travailler comme nous. On cite le nom des femmes qui se respectent. Qui ne veulent pas jeter. Vous êtes jalouse parce que monsieur Messang vous a dit dans le problème de la feu. Comment elle s'appelle? La femme de qui était décédée au Cameroun là. Monsieur Messang vous a dit qu'il lave les mains. Vous avez cette rancune. On a vu monsieur Messang vous dire que laisser ce problème à la famille. Je lave mes mains. Cette dame est décédée. Laissez sa famille s'occuper de tout. Je lave mes mains. C'est d'où votre rancœur. Un gueule Michel. Qui mange chez elle? Qui mange chez elle? Oh, qui mange chez elle? Il avait parlé de Michel. Il a parlé alors. Il a parlé alors. C'est ça qui vous... Vous avez mal. Ah, mais ça ne vous a rien fait. C'est parce que monsieur me... merci, vont Mathilde. Il avait dit que je lave mes mains. Qu'on pense Pilate. Je quitte de ce problème. Contactez la famille. Vous avez gardé ça à travers de votre gorge. C'est ça qui vous fait mal. Et tu viens dire que Michel, c'est qui? C'est un être humain comme moi. Elle est qui? Oh, fichez-moi le camp. Oh, fichez-moi le camp, hein. J'ai le camp. Cette fille-là est très dangereuse. Mmh. Alors que Michel lui avait donné les honneurs. Mmh. Et quand il t'avait dit que Michel est dangereux, toi, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Il faisait le Congo, ça seul. Tu ne répondais jamais. De beu, ma camion rouge du lieu 5. Il faisait le Congo, ça seul. Tu ne répondais jamais. Ma camion rouge, il faisait le Congo, ça seul. Tu ne répondais jamais. Monsieur Messang, t'as fait quoi, ma soeur? Monsieur Messang, t'as fait quoi? Parce que tu as signé un minable contrat. J'appelle ça minable contrat. C'est pour ça que tu veux tuer ton grand frère. S'il tombe là, tu vas dire quoi? Mes condoléances à qui? Un minable contrat. C'est pour ça que tu veux tuer ton grand frère. On a vu comment il t'a aimé sur Meta.
Il a rendu les gens jalouses parce qu'il t'a aimé. Il t'a aimé, Sumita. Tu veux tuer ton frère pour ça. Ma camion rouge du lieu 5. Tu veux finir, monsieur, mais sans point minable contrat. Oh, moi, mais je peux te payer tous les mois. Tu veux te donner 1000 euros tous les mois. Rougetta. Mayel d'amour. Maman. Nous sommes sur vous. Oui, tu s'en sors. Le reste est là, il ne le gère pas. Il ne le gère pas. On peut faire ça après de monter. Mais quoi, où elle est? Ma bosse. La bosse de ce quoi? Ce monsieur-là, qu'on appelle Panjan. Merci, Dora Bodo. Ma sœur en Christ. Méfiez-vous de lui. Non. C'est un gars qui est capable de niasse avec tout l'entourage de Sanga. Vous voyez le niveau de ma camion rouge, Rougetta. Vous voyez son niveau. Écoutez son expression. Écoutez ce qui sort de sa bouche. Elle s'appelle blogueuse. C'est une blogueuse du 237. Écoutez le niveau à quoi on est réduit. Voilà à quoi on est réduit. Elle va venir me dire que je suis blogueuse devant moi. Mais tu es la dernière des blogueuses. Puis la niaise avec toi. Parce que moi, il ne pourra jamais me dire bonjour. Bizarrement, ça ne le ressemble même pas. Quand un homme élève sa femme, chérit sa femme devant le public, tu crois qu'il peut aller draguer d'autres femmes. Celle qui accepte, c'est une malade. Ton sabotage ne passera pas. Il avait sa femme, uniquement avec sa femme. Je n'aurais pas peur de lui. À partir de dorénavant, c'est mon grand frère. Ça ne chauffe pas. Oui. Ça ne chauffe pas. Parce que j'ai compris que ce monsieur n'est pas mauvais, mais il était seulement mal entouré. Et on lui a dit que tu arrêtes là. Mais pardon. Le seul pardon. Il y a deux pardons que je veux qu'il fasse. Mais ce n'est pas à moi de décider. Le reste là, poubelle. Il y a deux pardons qui me tiennent à cœur. Parce qu'on a des gens bien aussi. Mais qu'on a manipulé. C'est vous qui cognez les têtes des gens. C'est les gens comme toi. Telle a dit que. Tout dans les inbox des gens. Mais lui, au fond, il n'est pas méchant. Il s'est laissé emporter. Il s'est retrouvé en train d'échanger avec les gens qu'il y a 10 ans, il n'aurait jamais imaginé. Il n'aurait jamais imaginé parler avec ces gens. Écoutez le langage d'une égérie, d'une ambassadrice, d'une soi-disant marque de... Écoutez le langage, égérie. Il a niaise. Si tu le donnes, il prend. Mais comme il ne prend pas les filles qui ont fait le camion rouge, il ne peut jamais te regarder. Parce que quand il reste comme s'il imagine ta journée, une de tes journées, au camion rouge, il peut devenir fou. Quand tu dis que l'angassi est au camion, tu commences à te faire les films. Les clients courent à la fenêtre. Il n'y a pas de sonnerie là-bas. Il n'y a pas de sonnerie au camion. Là. Tu ouvres le rideau, tu guettes, c'est qui? Dieu. Le client dit que oui, tu guettes pas le rideau. Tu dis entre. Et tu veux me parler aux femmes. Rêve, laisse pas pépé, tu es malade. Le restaurant, il partait là-bas. Là. N'est-ce pas? Sa femme sortait avec... Écoutons, c'est ma. C'est un gars à Paris. Elle a fait la passe à celle qui a le restaurant. Ha! Le restaurant que vous connaissez, il parle. Maman, la fille, c'est ingrate. Oh, Seigneur, éloignez-vous de la fille. Oh. Éloignez-vous d'elle. Oh. Donc, même la femme du... Comment elle s'appelle encore la femme du restaurant là? Même elle a pris balle perdue. Non, Sophia. Même la femme du restaurant a pris balle perdue. Ce n'est plus ta tante. Ce n'est plus ta grande soeur. Il sautait avec soeur. Il a fait la passe à celle du restaurant. Et Yenga, c'est Cynthia. Donc même Cynthia compresseur, tu insultes déjà Cynthia. Ma camion rouge, tu insultes déjà Cynthia. Non, pour toi, est trop fort. Ton niveau est trop high.
Tu insultes déjà Cynthia. Donc même si tu as pas un blanc perdu. Non, tu es faute. C'est ça, il y a une balle perdue. Elle a pris, elle a fait la passe. Hein? C'est comme ça que ça tourne entre eux. S'il vous plaît, c'est sa vie qu'elle vous raconte là. C'est sa vie qu'elle vous raconte. Au 17e. Ce n'est pas la vie de quelqu'un d'autre. Ces femmes-là viennent souvent raconter leur propre vie. Elles prennent ça, elles déposent ça sur quelqu'un d'autre. Cynthia a fait la passe avec Madame Messin. Tu n'as pas honte. Tu es réduite à zéro. Tu es réduite à zéro. Zéro macabo. Comme Peugeot a dit. Tu es réduite à zéro. Tu fais pitié. Ceux qui te soi-disant te supportent, pour eux, tu es un perdant, un passe-temps. Tu ne devais pas te comporter comme ça. Tu fais pitié. Non. Je ne regrette pas de te clasher. Tu es la seule personne que je ne regretterai jamais d'avoir clashé. Ah! Elle n'est pas propre. Vous savez où vont les gens. Qu'on ne vienne pas vous tromper avec les histoires de prières. On prend, on vient faire les directs. Tous ces gens-là, c'est leur club. C'est le club. C'est leur club vicieux. Ce monsieur, c'est le démon. Il a décidé que lui, il va nuire seulement cette femme-là parce qu'elle a mis ses fesses dehors. Comme elle a versé. C'est lui qui a commencé à la provoquer. C'est lui qui a commencé. Et elle s'est défendue. Il a pris les mercenaires. Ngombongo Indi peut dire quoi d'autre? Tout ce que Ngombongo Indi peut dire. Nous tous, on a des personnes qui nous contactent ici, non? Nous tous. On a des gens qui nous contactent. Comment moi, j'ai su qu'elle a les quatre lettres? Que la femme de Defawa est 4 lettres. Ah bon? C'est quelqu'un qui m'a appelé aussi, non? La personne a dit qu'elle est même prête à venir témoigner. On la bastonnait tout le temps là-bas en Suisse. Elle travaillait dans une maison close en Suisse. Maman, les filles bagarraient avec elle tout le temps. On la tapait tout le temps. On est comme tu la vois sournoise là, comme ça là. Sors du camion rouge. Sors du camion. Sors du camion, sors du camion. Marie jolie, vraiment vous êtes grave. Sors du camion. La personne est prête à témoigner. Il est seulement prêt. Nous on veut action, réaction. Sors-nous les témoignages, ma fond gonfie. Sors du camion rouge. C'est toi qu'on tape au camion rouge. C'est ta vie. Sandra Rose nous a dit qu'on t'a tapé un jour au camion à Lyon. On a failli, on t'a laissé pour mordre. Sandra Rose a dit qu'on t'avait tapé au camion à Lyon. Le client t'avait laissé pour mordre. On est venu te porter le sang partout. Il t'a bini la panne là. Il t'a tapé encore. Les aléas du métier. Je vous mets la partie là, j'ai ça ici. Sandra Rose qui parle, vous voulez écouter, vous me dites. Sandra Rose a dit qu'on l'a tapé au camion, tiens. Elle avait trouvé qu'un gosse. On attend, elle ne ferme pas le camion. On attend, elle ne ferme pas le camion. C'est là, ils disent qu'allons aussi, regardez. On arrive, on a trouvé le camion. Elle était KO. On l'a bine, on l'a tapé, elle est partie avec son argent. On dit que. C'était le camion de... Non, avant le camion rouge, si. Elle avait d'abord un camion. Je vous fais écouter. C'est samedi, à Lyon. Donc, un monsieur est donc venu. Il a botté. Elle dit que donne mes dos. Il a tapé. Le monsieur l'a laissé presque mourante. C'est là où ses collègues disent que... Mais, les gars, ils ne sont pas pour combat. Ils attendent, ils ne viennent pas. Ils attendent, ils ne viennent pas. C'est là où go camion goûte que la neige a épave. On l'a tapé. C'est la copine. Elle a toujours été comme ça, très dangereuse, très manipulatrice. Attendez. Vous croyez que je blague? Attendez. Attendez. Celui de Paris. Écoutez. Était son bon gars. Voilà sa copine. Hein. Celui de Paris. Donc elle arrivait à Lyon. Elle avait un bon gars.
elle avait à Paris, qu'on appelait Edimo. Écoutez très bien. Maintenant, on lui dit qu'il y a un Kaolo à Lyon. Va à Lyon, tu épouses telle, telle personne. Écoutez. Écoutez. Elle est son bon gars. Mm-hmm. Par contre, c'est là où elle l'aimait. Mm-hmm. Mais celui de Bordeaux, mon frère de Bordeaux, là, c'était pour celui le Kaolo. Il avait épousé pour le Kaolo. Mais pour ça, là, je ne peux pas l'en vouloir parce que l'amour, on ne dirige pas l'amour. On ne dirige pas l'amour. Tata Nan, tu dis que c'est Edimo. Celui de Paris, moi, il ne connaît pas. Mais Nathalie nous disait que non, elle a son bon gars, qu'elle y a mou. Donc, les choses de Paris, moi, si je vous dis que Paris a fait ci, c'est que je suis en train de vous mentir. Moi, je vous parle seulement de Bordeaux. Donc, Ngossa, alors, commence. Donc, vous savez, quand vous êtes entre femmes, vous faites le Kongoussa. Laisse-la, on fait le Kongoussa, ça c'est sûr. Tu dis à ta copine que moi, tu sais, mon mari, hein. Vous dites toujours que quand j'allais accoucher l'enfant, c'était celle. Et ne jette pas les histoires comme. Oh, allez, fais ça ailleurs, dis donc. Arrête, tu sais, ma, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, hein. Tu sais que ma, c'est comme ça. Donc, elle commence donc à faire le Kongoussa. Et Nathalie ne trouve pas ça normal. Nathalie dit non. Là où nous sommes là, Gervais nous a toujours réunis comme ça. Moi, il ne peut pas voir la fesse comme ça là. Nathalie, maintenant, passe derrière et voit Gervais. Peut-être à deux semaines avant son mariage. Parce que Ngossa a commencé à walk. Elle n'avait pas le Kaolo. Hein. Ok, sans Kaolo. Deux semaines, on avait déjà fait la publication des banques, tout. Maintenant, Nathalie passe derrière. Elle dit que non, je ne peux pas laisser mon frère aller tomber dans le trou. Elle va voir Monsieur Ngossa. Elle dit à Monsieur Ngossa que papa, tu ne peux pas un peu retarder le mariage là. Elle dit que mais pourquoi tu veux qu'elle puisse retarder mon mariage? On a déjà fait tout est déjà organisé. Comment tu veux que je retarde encore mon mariage? Nathalie n'est pas ancrée dans les détails. Elle a seulement dit que ok, on se voit alors le jour du mariage. Ngossa continue toujours à parler. A dit comment elle n'aime pas, comment elle n'aime pas, comment elle n'aime pas, comment elle n'aime pas. Et tout ça là, ça faisait toujours mal. Et Nathalie venait nous répéter ça à la réunion. Maja décide alors que Ngossa va ancrer à la réunion. Elle dit à Ngossa que non, viens ancrer dans la réunion, dans la tontine. Que quand on fait le truc comme ça là, tu as l'argent, fais la tontine. Ngossa dit qu'elle ne peut pas faire la tontine de 3000 euros le mois. Qu'elle ne peut pas faire 3000, mais elle peut faire 1000 euros. Ah, et qu'elle veut la première paix. J'ai dit, les gars-là faisaient les tontines de 3000 euros. Ah, c'était ta copine. Tu la connaissais comment, non, ma soeur? Elle habite à Lyon. Ah, c'est fort, hein? On lui dit que tu ne peux pas bouffer la première personne, on ne te connaît pas. Toi, tu ne fais pas partie des filles de Bordeaux. Toi, tu arrives comme ça, là. Toi, tu veux déjà bouffer la première personne. Nous, on ne peut pas te donner la tontine, la première personne. Quand tu vas manger la tontine, c'est là, tu vas aller à Paris. Nous, on va t'attraper où? Notre vie ici, c'est Bordeaux. Nous, on va t'attraper où? Nous, on connaît Paris. On va venir te chercher à Paris. On sait que tu es où à Paris? On sait que tu es où à Paris? Donc, Ngossa, alors, n'ancre pas. Pour finir, elle n'est pas ancrée dans la tontine. Parce qu'elle a posé l'ultimatum. Parce que Ngossa, que vous voyez là, elle a le gros cœur. Et son gros cœur là, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça date. Depuis des années, aujourd'hui. Elle a le goût que... Nathalie, Chakla, Ngossa est parti payer le camion avec les papiers d'une fille qui s'appelait Ndjoya, qui l'avait prêté les papiers. Le camion, c'est le camion, hein. C'est le camion. C'est là où je comprends que mes parents m'ont fait. Je n'ai jamais fait rentrer les gens comme... Je te dis, vronvron. Le camion. Yes. Harry. Une fille au nom de Ndjoya, parce que les papiers là, c'était écrit, elle avait les photocopies. À l'époque, elle avait que les photocopies. Elle avait la photocopie Ndjoya, elle avait la photocopie du titre de séjour, elle avait la photocopie du permis de conduire. Tout, elle avait la photocopie. C'est comme ça qu'elle achète son camion à Bordeaux. Elle-même, elle achète son camion à Bordeaux, elle n'avait pas les Kaolo. Elle achète son camion. Maintenant, elle commence donc à chercher la place. Les filles de Bordeaux s'énervent. On laisse. C'est chaud. Hein. Maman. Yes. Bordeaux disent donc à Ngossa que tu ne vas pas walk ici. Yes.
tu vas aller chercher ta place loin. Vous savez là où Ngosa positionne son camion à Bègle. Les gens qui sont de Bordeaux, qui connaissent Bordeaux, vous connaissez où se trouve Bègle, là où il y a l'entreprise des camions, le monsieur qui a la société des camions à Bordeaux là, qu'on appelle Olano. Ha, maman, Langa vous donne les références, c'est pas le Congo ça, les références. Yes. L'entreprise là, voici l'entreprise comme ça, à Bègle, voici l'entreprise comme ça, donc l'entrée de l'entreprise est comme ça, et en face, Ngosa a positionné son camion là, bleu. Merde. C'était Renault Trafic bleu. Hein? Écrivez. Il y a le camion rouge, il y a le bleu. Donc ce n'est plus diable bleu, c'est camion bleu. Renault Trafic bleu. Vous allez sortir la photo du camion là. C'était une Renault Trafic bleu. Sortez, envoyez-moi ça par WhatsApp s'il vous plaît. Envoyez-moi ça s'il vous plaît. Bleu, la même couleur que le camion que Maja lui avait donné. Ok, Maja. Prêté, pas donné. Maja. J'ai entendu le nom là. Non, c'est un peu plus fort que moi, vous savez. Je comprends, je suis un peu perdu. C'est un peu plus complexe, c'est complexe. Voici l'entreprise comme ça. Donc, l'entrée de l'entreprise est comme ça. Et en face, Ngosa a positionné son camion là. Bleu. C'était Renault Trafic bleu. Oui. Bleu, la même couleur que le camion que Maja lui. Donc c'est pour ça qu'elles ont choisi. Si c'est quoi la bleue? Ouh, Jésus-Christ de Nazareth, je comprends pourquoi elles ont dit bleu, machin. Ouh. L'Esprit Saint m'a fait écouter ce direct aujourd'hui. On a essayé de faire un peu le rapprochement. Liliane, Daniel, voici ton histoire. Avant de parler pour Madame Messang, voici une qui a vécu avec toi à Bordeaux. Elle donne les références. Avec les noms. Elle dit, on m'a dit que on est prêt à venir témoigner. On, pronom personnel indéfini. On a dit que, maman parle, Sandra Roche, le Japon. Donné. Prêté, pas donné. Prêté. Prêté. Loué, voilà. Louer. Entreprise des camions. Le monsieur qui a la société des camions à Bordeaux là, qu'on appelle Olano. Olano. Il y a une société qu'on appelle Olano. Olano. On essaie l'entreprise là. Voici l'entreprise comme ça. À Bègle. Voici l'entreprise comme ça. Donc, l'entrée de l'entreprise est comme ça. Et en face, Ngosa a positionné son camion là. Bleu. C'était Renault Trafic bleu. Oui, bleu. La même couleur que le camion que Maja lui avait donné. Prêté, pas donné. Prêté. Loué, voilà. Ha! Loué. Le diable bleu, le donc, camion elle était bleu. En face. Olano était comme ça. Vous connaissez l'entreprise Olano. Les camions Olano. À Bègle. Ça se mettait juste à l'entrée de Olano. Maman. Donc, quand les camions arrivent pour entrer dans la société Olano, Ngosa était juste en face. Yes. Olano, avec son camion. C'est qui le roi? Le roi, c'est qui? Olano, c'est le roi. C'est un roi. Eric. Olano, c'est un roi. Bonsoir Cindy Fox. Hey, pardon, si c'est un roi, moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas si c'est un roi. Si c'est un roi qui me pardonne alors. Moi je ne savais pas que c'était un roi, Olano. En tout cas, c'est une société. C'est une société de camions. Le monsieur là, les camions de livraison. C'est elle qui parle de Madame Messang. Écoutez. Partout dans la France. C'est partout. Donc, leur... Ok, je ne lis plus les commentaires, c'est vite tenu. Attends, alors même, j'enlève les commentaires. C'est mieux. Je sais qu'on enlève comment. Voilà. Donc, elle a enlevé les commentaires. Donc, n'écrivez plus, parce que je ne vous lis plus. Donc, c'est comme ça, alors que Ngosa se positionne à Olano. Elle commence à walk. Elle commence à walk. Et Ngosa se fait agresser. Deux...
Je vous ai dit non. Je vous ai dit non. Je vous ai dit que les filles de Métala, comme nous sommes cette fille de Maléba, ce sont leurs propres histoires. Elles viennent transposer sur quelqu'un d'autre. Elle dit qu'on frappait Madame Messan. Ce qu'on n'a jamais vu. Voilà sa copine. C'est une ancienne TKC. Elle nous l'avait contemplée. Puis, c'est quand Gossa a fait la paix avec Flore qu'elles sont parties. Elles vont revenir. Comme ça commence déjà à faire un genre. Peut-être elles vont rentrer à la maison. Mais elle la connaît. Elle était à son mariage. Écoutez! Avec les gens de l'autre côté là-bas, ils ne veulent pas citer leur nom. Merci Daniel, merci. Elle se fait agresser par deux. Elle appelle, le jour-là, elle appelle Irène. Mm-hmm. Irène qui a... Non. Le Japapsier, elle donne le nom. Écoutez bien. Je dis Irène et qu'elle dit sa société à Bordeaux. Vous saurez qui c'est. Je ne dis pas son entreprise. Elle a l'entreprise à Bordeaux. Mais je ne donne pas le nom de son entreprise. Elle appelle Irène. À l'époque, Irène n'avait pas de société à Bordeaux. Elle appelle Irène. À l'époque, Irène se mettait juste à la sortie de la gare. Elle appelle Irène. Ah. Irène démarre. Irène arrive dans son truc. Et le gars qui conduisait souvent le truc de Ngossa, c'est Patrick de Bordeaux. Ceux qui ont habité Bordeaux connaissent Patrick. Patrick à Bordeaux, il y a de cela 20 ans aujourd'hui. C'était lui qui déplaçait. 20 ans. Il y a de cela 20 ans. Et elle se retrouve sur les réseaux sociaux en train de dire que tu es venu manger chez moi, tu es venu manger chez moi, tu as mangé chez moi, j'ai mangé chez toi, ta mère est morte de ceci. 20 ans après. 20 ans. Voilà 20 ans de camion, 20 ans. On dit que c'est Patrick qui garait la voiture, le camion. Il venait, elle se retrouve sur Meta en train de clasher avec moi. En train de prendre Boumkina, fille, 20 ans après. Elle se lave 20 ans. 20 ans. C'est triste. C'est triste. Je ne sais pas si elle a une famille, mais c'est triste. C'est triste. Les voitures d'un gars qui ne connaissait pas conduire, c'est Patrick qui déplaçait tout. Et il était payé 20 euros par personne. Donc il y avait les filles qui ne connaissaient pas conduire, mais avaient des camions. Mais Sandra restait sa copine, elle vivait là-bas. Donc les filles là, c'est Patrick qui venait déplacer le camion le soir. La journée de travail était finie. Deux s'appellent Patrick. Patrick Ouna. Donc c'est parti qui venait déplacer les camions des filles qui ne savaient pas conduire. Mais 20 euros. Donc il te déplace, il part te positionner. Et quand tu finis à 6 heures, il revient, il te redéplace encore. Il part encore te positionner là où tu laisses. Et tu lui donnais 20 euros aller, 20 euros retour. Donc il avait ses 40 euros comme ça. Et il faisait comme ça. Patrick faisait comme ça, il avait peut-être plus de 20 clients hein, qui travaillaient comme ça. Et lui-même, il n'avait pas les kaolo. Voilà donc que Patrick se fait prendre par la police. Et les qui balance Patrick, c'est les deux filles qui étaient derrière Ngossa au départ. C'est les filles-là qui balancent Patrick chez les Niais. Les Niais tchat Patrick, Patrick est parti au Ngata. Et après, on a fini par l'envoyer au pays. Ouh. Patrick, jusqu'à aujourd'hui, Patrick est au pays. Ouais. À cause de Ngossa. Hein? Ce n'est pas que c'est à cause de Ngossa. Il avait déjà positionné Ngossa. Mm-hmm. Mais il partait positionner une autre fille. Mm-hmm. C'est là où on l'a arrêté. Donc, non, ça là, ce n'est pas à cause de Ngossa. Je ne vais pas mentir. Mais c'est parce qu'il partait aider Ngossa. Patrick est au pays jusqu'à aujourd'hui là. Il n'est plus jamais revenu en Bain. Ouais. Dès qu'il a fini sa peine, on l'a rapatrié au Co. Il est au Co jusqu'à aujourd'hui. Il a Douala. Le Patrick en question, il a Douala. Donc, maintenant alors, Ngossa. On adresse Ngossa dans le Kami.
Les gens, vous savez, les gens merci, ma que je ne veux pas citer leur nom là, merci beaucoup. Qui ont souvent le tchoukou-tchoukou. Le tchoukou-tchoukou. On agresse Ngossa. Mm-hmm. On prend tout son argent qu'elle avait déjà travaillé. Écoute. Elle appelle donc Irène. Irène Dema, Irène arrive. Parce qu'Irène avait son permis. Écoutez la vie d'une femme qui nous dit ici là que elle a dit à Madame Messa que j'aime le mariage. Écoutez, Vronvron Smith, une femme qui dit qu'on voulait l'entraîner dans le piment, voilà sa vie. 20 ans, Madame Messan a 20 ans, je ne te connaissais pas. Il y a 20 ans, Madame Messan ne connaissait pas son mari, elle ne te connaissait pas. Mais tu es au camion à Bordeaux. Ah, ta copine qui donne le nom. Il y a 20 ans, Madame Messan ne connaissait pas son mari. Elle ne te connaissait pas. Mais toi, tu vendais le piment dans un camion bleu à Bordeaux. L'incohérence. Ceux qui t'aiment, ceux qui t'applaudissent ne t'aiment pas. Tu es notre guignol de la toile. Hein? Tu es la teubeu de la toile, la teubeu. Tu es la teubeu. Son permis de conduire. Irène Dema, elle arrive. Je ne sais pas, Karine. Elle trouve Ngossa en larmes, en pleurs. Mm-hmm. D'abord, bien Nias Ngossa. Ah! Donc, qu'est-ce qui. Attends, elle veut pas l'argent. Elle dit que. Mettez les cas! Ouais, Madame Messa est où? Bipé là ici! Maman! Ça, maman! Elle avait déjà positionné, il avait déjà positionné Ngossa. Mais il partait positionner une autre fille. Eh? C'est là où on l'a arrêté. Donc, non, ça là, ce n'est pas à cause de Ngossa. Je ne vais pas mentir. Mais c'est parce qu'il partait aider Ngossa. Patrick est au pays jusqu'aujourd'hui là. Il n'est plus jamais revenu en bain. Dès qu'il a fini sa peine, on l'a rapatrié au co. Il est au co jusqu'à aujourd'hui. Il a Douala. Le Patrick en question, il a Douala. Donc, maintenant alors, Ngossa. On adresse Ngossa dans le Camille. Les gens, vous savez, les gens que je ne veux pas citer leur nom là, mm-hmm. qui ont souvent le tchoukou-tchoukou. Mm-hmm. On adresse Ngossa. Mm-hmm. On prend tout son argent qu'elle avait déjà travaillé. Elle appelle donc Irène. Irène Dema, Irène arrive. Parce mm-hmm. qu'Irène avait son permis. Mm-hmm. Elle avait son permis de conduire. Mm-hmm. Irène Dema, oui. Elle arrive. Dis-nous ça. Elle trouve Ngossa en larmes, en pleurs. Écoutez bien, écoutez. D'abord, bien Nias Ngossa. Donc, qu'est-ce qui se passe? Un arrive. Ils disent Ngossa qui se. Attendez, on remet encore la partie ici, comme les mounas la dorment. On remet, écoutez bien, il n'allait pas me trahir, pardon, oui, écoutez. Dès qu'il a fini sa peine, on l'a rapatrié. Écoutez, au bien, écoutez. Il est au co jusqu'à aujourd'hui. Écoutez, écoutez. Il a Douala, le Patrick en question, il a Douala. Écoutez bien. Donc, maintenant alors, Ngossa, on adresse Ngossa on adresse. Dans le Camille. Les gens, vous savez, les gens... que je ne veux pas citer leur nom là, uh-huh. qui ont souvent le tchoukou-tchoukou. Uh-huh. On agresse Ngossa. Uh-huh. On prend tout son argent uh-huh. qu'elle avait déjà travaillé. Elle appelle donc Irène. Irène Dema, Irène arrive. Parce qu'Irène avait son permis. Uh-huh. Elle avait son permis de conduire. Irène Dema, elle arrive. Elle trouve Ngossa en larmes, en pleurs. Uh-huh. D'abord, bien Nias Ngossa. Donc, qu'est-ce qui se passe? Un arrive, il dit ça. C'est la partie ici qui me tue. Tandis que les gars. Ma pépé, oh, oh, maman camion bleu. On a d'abord bien fait quoi? Nias. Erika, le accident de travail. Ouais, la garanterie m'a tué. Yes, 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 Erika, on l'a beau bien. On te binde en pâte, donc pas avec. On te binde en pâte, moi aussi. Attends, je réponds. Moi,
Moi aussi, ma chérie d'amour. Hein? Etiquet. Les gens qui n'ont pas les étoiles. Pleure. Elles aiment donner le commandement. D'abord, bien gnasse, Moussa. Donc, qu'est-ce qui se passe? Un arrive, ils disent à Ngosa qu'ils sont deux. Et qu'ils veulent le tchoukou-tchoukou. Et Ngosa dit que oui, je vous prends. Le temps que je... Vous avez compris. Maman. Elle ne se cache pas. Elle voulait prendre les deux clients à la fois. Vous savez, les gens que je ne veux pas citer leur nom là, qui ont souvent le tchoukou-tchoukou. On agresse Ngosa. On prend tout son argent qu'elle avait déjà travaillé. Elle appelle donc Irène. Irène démarre, Irène arrive. Parce qu'Irène avait son permis. Elle avait son permis de conduire. Irène démarre, elle arrive. Elle trouve Ngosa en larmes, en pleurs. D'abord, bien gnasse Ngosa. Donc, qu'est-ce qui se passe? Un arrive, ils disent à Ngosa qu'ils sont deux. Et qu'ils veulent le tchoukou-tchoukou. Et Ngosa dit que oui, je vous prends. Le temps que je fais l'ocre prend là-bas. Le temps que... Parce que c'était un fantasme que les... Massa! Il n'avait jamais écouté la vidéo aussi. J'avais téléchargé, mais je n'ai jamais écouté. Je voulais faire... Donc, sauf qu'ils ont donné 100 euros à Ngosa. Quand ils donnent 100 euros à Ngosa. Ngosa aussi, où elle était bête, où elle était doumou. 100 euros. Que tu peux garder l'argent, alors que les gens là sont là en train de te regarder comme ça. Toi, tu gardes l'argent. Les gens là ont donc vu, là où elle a mis. Je dis, et un alors, quand elle appelle donc Irène, Irène démarre, Irène arrive, parce qu'Irène avait son permis. Elle avait son permis de conduire. Irène démarre, elle arrive. Elle trouve Ngosa en larmes, en pleurs. D'abord, bien gnasse Ngosa. Donc, qu'est-ce qui se passe? On arrive, ils disent à Ngosa qu'ils sont deux. Et qu'ils veulent le tchoukou-tchoukou. Et Ngosa dit que oui, je vous prends. Le temps que je fais l'ocre prend là-bas. Le temps que... Parce que c'était un fantasme que les deux voulaient faire. Donc, sauf qu'ils ont donné 100 euros à Ngosa. Ah bah. Quand ils donnent 100 euros à Ngosa. Ngosa aussi, où elle était bête, où elle était doumou. Que tu peux garder l'argent, alors que les... Les 100 qui ne me donnent pas les étoiles, ne me donnent pas le commandement dans mon direct. Les vont Smith la vie d'accord, ne me donnent pas le commandement dans mon direct. Ils sont là en train de te regarder comme ça. Toi, tu gardes l'argent. Les gens là ont donc vu, là où elle a mis. Et un alors ne voulait pas joie. Hey! Non, je dis. Ne voulait pas joie. Non, elle va arrêter. C'est trop. Mais Langassi, je dis, non, c'est trop fort, ma. Hey, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi ici? Continue plus. Maman, c'était fort, hein? Mais il fallait que j'écrive à moi, interdit à moins de 18 ans. Écrivez, c'est vrai, épinglé. C'est un peu fort. Hein? Écrivez, pardon. Il est épinglé. Hey! Mais Langassi, je dis, hein, rêve, tu es la meilleure. Arrêtez de trop parler. Patati patata, patati patata, tout ça dans zéro macabo. Ya, 20 ans après, 20 ans après, tu es en train de me clasher, Simeta. Tu me clashes, moi, rêve, bien, 20 ans après. Écoute ton histoire. Moi, ta copine qui raconte. Gros, ça aussi, était bien impatiente que non. Merci ma fille. Vous êtes là. Toi, tu ne joues pas. L'autre a joué. Mais toi, tu veux ton permis de conduire. Nos ponts. L'autre a arraché le. Là où Ngosa mettait. Mais ton là. Elle ne rembourse rien. Que tu peux garder l'argent. Alors que les gens là sont là en train de te regarder comme ça. Toi, tu gardes l'argent. Les gens là ont donc vu. Là où elle a mis. Et un alors ne voulait pas joie. Ne voulait pas joie. Ngosa aussi était déjà impatiente que non. Ça fait déjà plus de 30 minutes. Vous êtes là. Toi, tu ne joues pas. L'autre a joie. Mais toi, tu veux seulement qu'elle continue. Ngosa dit que non, ça ne se passe pas comme ça. Ha!
C'est bon. Le gars alors dit que non, tu me rembourses. On peut dire qu'elle ne rembourse rien. Vous savez que comme elle est King Kong là, elle ne rembourse rien. Le gars a dit que quoi? Tu ne rembourses rien. Vraiment. Tant alors, on a d'abord donné un coup de poing en Gossa ici. Nos ponts, l'autre a arraché le... là où Ngossa mettait. Elle avait une petite sacoche comme ça là. C'est là où elle mettait. Le gars a porté petite sacoche. Ngossa avait le truc comme ça là. La gueule comme ça. Nathalie arrive. Nathalie lui dit que tu ne peux plus continuer à Ok. Parce qu'elle pleurait. Irène arrive. Irène... C'est fini, l'histoire est finie. Tu ne peux plus continuer à Ok. Il faut qu'on parte d'ici là. Elle dit donc que si on doit partir, on doit d'abord s'arrêter chez toi. Irène dit que non, je t'amène chez ton mari directement. Ton mari, c'est ce que tu fais. Donc, on ne va pas passer par 4000 chemins. Et tu ne, ça va, avec la glace, ça va baisser. Si ça ne baisse pas, par contre, demain, va à l'hôpital. Ça rentre donc chez Monsieur Ngossa. Monsieur Ngossa était au restaurant. Vous savez que Monsieur Ngossa, c'était quelqu'un qui était connu dans le monde de la nuit. Monsieur Ngossa demande donc à Ngossa, à la mendiante, de décrire les gars qui lui ont fait ça. Mais elle dit qu'elle ne peut pas les décrire parce qu'elle ne les connaît pas. C'était seulement les gens qui sont là-bas chez nous, mais qui ne disent pas qu'ils sont africains là, qui n'aiment pas dire qu'ils sont africains. Ngossa reste alors là, à la maison. Est-ce qu'elle a même attendu que son truc là baisse encore? Le lendemain, elle était encore là-bas. Elle travaillait son argent. Parce qu'à l'époque, Ngossa travaillait. La fille a touché l'argent, mais elle n'a rien foutu avec. Pourquoi? Merde. Je dis, l'Angala a touché l'argent. C'est elle qui vient parler à Madame Messan. C'est Nathalie qui l'aidait souvent à envoyer l'argent à Paris. Chez son bon gars qu'elle avait à Paris, qu'elle aimait. Celui-même là qu'elle aimait. Celui-là même qui faisait battre son cœur. Celui-là même que Ngossa était prêt à tout. Pour lui. C'est là-bas que Ngossa envoyait l'argent. Parce que le gars à l'époque, lui, il avait les kaolo. Mais Ngossa n'avait pas les kaolo. Et le gars disait à Ngossa, non, on va faire des choses au pays. Le gars a tout bouffé l'argent d'Ngossa. Quand Ngossa s'est réveillé, se faisait ya tard. Maintenant, le jour du mariage d'Ngossa arrive. Nous tous, toutes les filles de Bordeaux étaient au mariage. Yes. Je dis bien, toutes les filles de Bordeaux étaient au mariage d'Ngossa. Toutes! Qu'est-ce qu'Ngossa fait le jour du mariage? Je n'ai plus la partie. Question. Je n'ai plus ça. Je bois un coup. Je n'ai plus la partie. En attendant, je vous laisse écouter ça. Boire de l'eau. Comme j'ai beaucoup de... Moi, ce sont les collègues de Bordeaux. Hein. Massa. Hey, tu as peur d'être combattu? Non. Je dis que je vais être combattu de partout. Je n'ai pas dit que j'ai peur. Voilà. Tu es quand même une fille, Bagatelle. Tu es quand même une fille étonne. Les étonnes, ce ne sont pas les peureux. Les banantés, c'est quand même la dignité et l'élégance. Voilà. Là, tu es vraiment en train de souiller les banantés. Tu souilles. Ah. On laisse comme ça, non? Elle avait facile au direct si. Ouh! Ya! Yeah. Voilà alors les filles qui viennent vous raconter la vie des autres. Voilà sa collègue qui vous a dit. C'est elle qui vient parler à Madame Messan. C'est elle qui vient me parler à moi. Je dois me taire. T'as une tebe. Diamant. Je ne sais pas diamant quoi là qu'on a dit. Au lieu de dire diable bleu. Camion bleu. Camion rouge. C'est elle qui vient me parler. Et on me demande de me taire. Oh. Toi et moi c'est juste. Ah. Voilà ton histoire. Un homme a chopé tout ton argent et dis-moi. J'ai envoyé tout l'argent et dis-moi. Thierry, c'est le dernier de tes gars. La sang, il ne mange rien. Et tout dit à Thierry qu'elle ne te donne rien. Tu es venu
Pardon, tu es venu quand il n'y a plus d'argent. Thierry, tu es venu quand l'argent est fini. Quand démon bleu, camion bleu, camion rouge avait encore l'argent, mon frère. C'est que tu ne portais pas les conneries que te voilà. Elle a bien les mecs. Elle t'achète un pantalon de 600 euros. Une paire de chaussures de 1200 euros. Elle te paye. Elle dit qu'elle t'habille de la tête aux pieds à 7000 euros. 10 000 euros. Thierry, tu n'as rien. Tu es le dernier. Et c'est elle qui doit parler à Madame Le Sang. On se tait. Si on se tait, c'est que demain elle parlera à d'autres femmes. Elle parlera à Vronvron Suite. Elle parlera à Mafon Gonfi. Elle parlera aux femmes qui se lèvent tous les matins. Elles vont travailler, on voit. Si on ne se lève pas pour dire non, ça veut dire qu'on la laisse l'opportunité de parler à d'autres femmes demain. On doit tuer ça. Et nous allons combattre ce combat. Ne jette pas à côté ses poids. Si on te laisse faire, tu vas détruire d'autres femmes. Des bosseuses comme nous. Des bosseuses comme nous. Voilà. On a le temps. Si vous voulez dormir, dites-moi pas. Et deux, tu as le cœur. Tu t'assois, tu dis que Madame Messang est l'élée. Tu dis que Madame Messang est l'élée. Et on me dit de me taire. Pour que demain tu viennes inventer une histoire sur moi, il faut que les gens sachent que tu as l'habitude de mentir. Pour que demain tu mentes sur ma Fongonfi. Pour que demain tu mentes sur les femmes, les scouts qui sont sur mon but. Les femmes qui se battent. Pour que tu salisses la réputation des gens. On doit t'encourager. Ceux qui t'encouragent, tu saliras la réputation demain. Mais nous, nous sommes là pour te dire non. Tu insultes Nadège Mbapa, mais elle a fait venir sa fille et sa petite fille ici. Elle est fière d'elle. Elle est fière d'elle. La génération de Mbapa continue. Parce qu'elle a fait une fille. Sa fille va continuer sa génération. Sa petite fille va continuer sa génération. Et soit avec elle, à côté d'elle. Et tu me demandes, on me demande de me taire pour que demain, elle sabote les Vronvron Smith, les moules à tambour, elle se lève, elle invente des histoires sur la vie des gens. On doit se taire. Non. On doit t'arrêter. On doit te stopper. Et ce qui est sûr est que tu vas te fatiguer. Non, ça c'est sûr. Parce que quand on ment, à un moment, on s'épuise. Quand tu as la vérité, tu ne t'épuiseras jamais. Tu vas te fatiguer. Tu le dis. On ne peut pas se taire. Les filles, c'est que Madame est sans vie. Ça peut arriver à tout le monde. On ne peut pas se taire. Vingt ans de camion rouge. Tu as voulu prendre deux gars. Les gars t'ont piégé. Ils ont pris tes dos. Ils t'ont tapé. On dit que dans le couple, même elle la plus dangereuse. Merci, Vonvon. Ok. Tu as tout moche. On ne peut pas te laisser. On ne peut pas te laisser. Sinon, c'est tu comme... vas prendre une autre femme, tu feras la même chose. Nous, on va te stopper. On va te stopper. Vous devez partager ce direct. Je me lève à 6 heures. Je travaille à 7 heures jusqu'à 16h30, souvent 17h, pour qu'une idiote se lève et invente ma vie. On ne se tait pas. On ne se tait pas. Se passe quand on vient se mélanger avec des personnes qui sont sans personnalité. Parce que ce monsieur-là, en temps normal, de vous en moi, un monsieur qui a fait une citation directe à une femme, soi-disant, demain, s'allier à cette personne pour vouloir détruire d'autres personnes. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. La citation directe ne veut rien dire. Je connais des couples qui sont allés devant le juge pour divorcer. Et ils sont repartis devant ce même juge pour dire que, monsieur le juge, on s'était trompé. Nous sommes revenus parce qu'on veut se remarier. Je connais des couples qui sont allés jusqu'au chez le juge. Ils sont revenus chez le juge. Dit que, monsieur le juge, on s'était trompé.
on veut se remarier. Donc, citation directe là, c'est rien. Nous, on va te taire. Toutes les femmes qui sont là vont te taire. On va te faire taire parce que tu sabotes les femmes dignes. Ça ne peut pas continuer. Même le Dieu que je sers va dire que ma fille, tu fais du bon boulot. Tu sabotes les femmes dignes comme nous. On te dit non. Une énergumène qui a vendu le piment dans un camion bleu à Bordeaux, qui a vendu le piment dans un camion rouge au lieu saint, doit se taire quand rêve pâle. Ouais. Elle doit se taire quand Von Smith parle. Elle se tait quand Mafon Gonfi parle. Elle se tait quand Scott parle. Elle se tait quand Jackie parle. Elle se tait quand Moula Tombou parle. Elle se tait quand Anne-Louise Basson parle. Tu la fermes. On va te fermer la bouche. On va te montrer l'humiliation. Je veux m'asseoir, je ne peux pas me dire sur toi. Je veux m'asseoir. Avant de lancer un direct, je le prépare. Je veux te teindre. Je suis sûre de moi. Mystiquement, vous ne pouvez pas. Je suis la fille de Dieu. La fille du pasteur Jerry Eze. La fille du prophète Méric. C'est le feu. C'est le feu. C'est une heure de fire le matin. Fire, une heure. Tous les matins, c'est le fire. Tu meurs. C'est pas un débat. N'essaye pas. Dis que n'essaye pas. Parce qu'on m'a dit que ta gluta aime ça. Mais n'essayez pas. N'essayez pas. Il y a les têtes qu'on ne touche pas. Il y a les têtes qu'on ne touche pas. Moi, je te parle. Tu n'as pas confiance. Tu n'as pas peur de mon assurance. Je sais qui je sais. On va te taire sur l'état. Tu as fait ça aux femmes. On a laissé. Mais sur celle-ci, on dit enough is enough. Enough is enough. Tu ne peux pas. Je vais préparer le direct. Je vais mettre devant ma télé. Mon prochain direct, c'est devant ma télé. 75 pouces. Je n'ai pas trop d'argent. C'est devant ma télé qu'on va voir ton camion. Je vais préparer mes directs. Je vais préparer mes directs. Voilà. Ce monsieur a toujours opéré comme ça dans le noir. Mm-hmm. Merci. Moi, j'ai opéré avec lui. Je n'en dis combien pas. Je dis oui. J'ai opéré avec lui mm-hmm. parce qu'il m'appelait. Je ne peux pas compter combien de personnes il m'a envoyé que va laver. Mm-hmm. Si je vous fais écouter nos conversations, pardon. 7 heures du matin, mm-hmm. je ne suis même pas encore debout. Mais, qui m'a laissé les messages? Mais 7 heures du matin, tu dois être debout. 7 heures du matin, il t'appelle parce qu'il est sur le chemin du boulot. Petite idiote de bœuf. Oh, lève-toi, tu vas travailler, conne. 7 heures du matin, il t'appelle parce qu'il est sur le chemin du boulot. 7 heures du matin, je dors encore. Regardez-moi l'oisive là. Je dors encore. Quand il te dit que tu prends les clients chez toi, tu vois comment? Tu crois comment? 7 heures du matin en Europe, une femme est debout. Si je manque, il va en commentaire. Sauf ceux qui travaillent de nuit. Tu prends les clients chez toi. Il t'appelle à 7 heures du matin parce qu'il est sur le chemin du boulot. 7 heures du matin, je suis là installé. Oh, je suis installé. Te beu, comme tu dis souvent que te beu, tu es la... Va laver-t-elle, lave-t-elle, en lavant, comme tu ne sais même pas bien laver là, il faut préciser que... Je reconnais qu'elle ne sait pas bien laver. Mais moi, depuis que je m'adresse à toi, il ne m'a pas appelé. Il ne m'a rien dit. 7 heures du matin, une femme en Europe, voilà ce qu'on écrit, est debout. Je dors encore. Il m'appelle, il me réveille. Ngueuche, 7 heures du matin, je dormais encore. Va travailler. Pas 3 heures par jour. Tape-moi tes 6 heures. Tape-moi 6 heures. Tu jeûnes. Tu t'assois à la maison. Tu fais les TikTok. Tu danses. Ça mène où? Les Camerounais savent danser. Tu ne surprends personne avec la danse. On a le sang de la danse. L'Afrique. L'esclavage nous a mis le gène, les gènes de la danse, de la musique. Parce que pour faire le temps passer, pour écouler le temps, nos ancêtres chantaient, dansaient. Pour écouler la tristesse, pour évacuer la tristesse, le stress, nos ancêtres dansaient. Tu ne surprends personne avec ta danse. Surprends-nous avec le boulot. En plein. Oui. Mais ta fille va à l'école, elle revient le soir. Donc tu as le temps de faire temps plein. 5 heures du matin, elle est debout.
Mary te dit qu'à 5 heures. Dora se lève à 5 heures. L'idiote, monsieur Tau. Monsieur, mais ça m'a réveillé à 7 heures. C'est comme ça qu'il fonctionne. Ce monsieur-là, c'est comme ça qu'il a toujours fonctionné. Voilà sa vie comme ça. À fuir dans la vie des gens. Voilà votre justicier bête et con là. Qui va dire que lui n'est pas un voleur. Grand frère. Le plus gros gigolo de la terre, c'est lui. Même sa femme ne gère rien. Elle achète l'audio là. C'est-à-dire que quand tu as un problème, même tu, elle te dit qu'elle veut toujours donner les éloges à son gars. Le plus... vous avez dit que c'est la jalousie, non? Comme toi, tu achètes Thierry. On a vu comment tu danses avec lui. Il n'est pas trop loin. On a vu comment tu danses avec lui. Pour qu'il te sert, tu dois supplier. C'est ton histoire que tu nous racontes. C'est ton histoire que tu nous racontes. Elle achète son mari, elle travaille où? Elle prend l'argent pour acheter monsieur Messan. C'est lui qui travaille. Va travailler, dis donc. Il est gigolo. Il est gigolo. Il est gigolo. Il va te dire qu'il a tous les mois, il a les impôts qu'il paye de plus de... Toujours. Il a toujours les gros impôts. Le seul homme sur la terre que je connaisse qui a les plus gros impôts. C'est pas un Jansan. Mais j'ai envie de dire à Ngombongo Indi, le moment venu, il faudra qu'il soit avec toi. Il sera avec Parce que quand tu vas tomber, il ne sera pas avec il toi. Il sera avec elle. Elle ne tombera pas. Quand tu vas tomber, il ne sera pas avec elle toi. Elle ne tombera pas in Jesus name. Moi, je peux miser sur ma bosse. Hein? Je peux mettre ma main au feu. Sur... La famille, c'est quelque chose. Au feu. La famille. Sur ma bosse. La famille. Que si on va où, elle est prête pour moi. Est-ce que lui, il est prêt pour toi? Je dis, ta bosse n'a pas amené en Côte d'Ivoire. Ta bosse doit saigner pour toi. Elle doit dépenser pour toi. Tous les événements, elle doit te mettre dans l'avion. Ce n'est pas une bosse, le dit. Elle doit te mettre dans l'avion. Elle devait t'amener en Côte d'Ivoire. La finale, là, parce que nous, on va aller en demi-finale. Il faut qu'elle te paye le billet d'avion. C'est un ordre qu'on lui donne. Elle doit te payer un billet d'avion. C'est un ordre qu'on lui donne. Il faut qu'elle nous prouve qu'elle est une boss lady. Qu'elle essaie de te mettre en haut. Parce que là, tu n'as encore rien. Tu mets ta main au feu. Ta boss va mener à Côte d'Ivoire. On a vu l'eau partout. Oui, elle avait les croquettes de mer. Oh, oh, camion bleu. Lolo avait croquettes de mer. Lolo, t'avais le, mon jeune frère, Pifo. Il t'avait les, elle t'avait les Yves de Mbela. Oh, camion bleu. Lolo, t'avais les Yves de Mbela. Elle allait sur la tombe du Arafat. Elle en Côte d'Ivoire, elle vit sa vie. Elle vit sa vie. Vous l'avez vu l'écraser. Vous avez partagé des trucs. Vous avez insulté en 2023. Le Seigneur a dit que c'est une épreuve qui passera. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle ne se mêle pas de ce problème. Elle n'a même pas envie qu'on prononce son nom. Ce problème ne la concerne pas. Elle est libre de ne pas se prononcer. Laissez son nom. Elle a trop bouffé en 2023. Ici, là, 2024, elle évite les problèmes. Regarde comment tu parles à ton grand frère. Même Fleur de Lille ne parle aussi loin avec amour comme toi. Yes. Même Fleur de Lille n'est pas allée aussi loin. Elle n'a jamais donné un nom. Quand tu donnes des noms comme ça, me sens. Monsieur me sent, tu l'appelles Defao. Defao, c'est un bel homme. Hein? Oh, Defao faisait tomber des femmes. Père son âme. Defao faisait séduire. Il séduisait, pardon. C'est un tombeur de femmes. Tu appelles monsieur Messan un idiot. Tu appelles monsieur Messan un gigolo. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Même Nadège Mbappa, qui n'a pas côtoyé monsieur Messan, n'est pas allé aussi loin. Et elle peut même le faire parce que ce n'était pas des amis. Mais toi, tu as dormi chez lui pendant une semaine. Toi-même, tu l'as dit dans un direct. Tu l'as dit dans un direct que tu as fait une semaine quand vous étiez encore amis. Que tu as fait une semaine chez monsieur Messan. En disant Defao, tu crois que ça va faire quoi? Defao, c'est un bel homme. Qui pouvait dire non à Defao? Il a mangé les femmes. Les femmes s'alignaient. Monsieur Messan est 10 fois plus beau que Thierry. Thierry n'a que 6 dents. 6 dents.
Tu compares Monsieur Messa. Quand on met Thierry et Monsieur Messa, il n'y a même pas de diff. On ne réfléchit même pas. Gros ventre, petit caleçon, 6 dents dans la bouche. Ton type de mec, là-bas. Hein? Un beau-ailleur. N'insulte pas les beaux-ailleurs, mais toi tu insultes Monsieur Amoud, qui est beau-ailleur. Donc d'insulter ton beau-ailleur. Gros ventre, petit caleçon, 6 dents dans la bouche. 6, j'ai compté, c'était 6. Et tu dis que tu dis des faux. Même Fleur de Lille n'a pas été aussi loin avec Amoud. Tu es méchante. Maintenant, tu flattes à tes cassés. Pourtant, tu les avais insultés. Tu les as presque radiés. Maintenant, tu les flattes. Comme tu vois comment les abeilles sont un peu en train de te fuir, tu rappelles ta tes cassés. Il n'y a que des femmes sans personnalité qui se remettront derrière toi. Jamais je ne me mets derrière une femme qui ne sait ni lire ni écrire. Je suis ta patronne. Tu ne peux pas être ma patronne jusqu'à la terre finie. Je dis bien, une femme qui ne sait ni lire ni écrire ne peut pas être ma patronne. Sans prétention aucune, jusqu'à la terre finie. Je me moque de celle qui se met à ton service. Tu les as insultées. Tu as dénigré la TKC. Elles sont parties. Maintenant, tu dis que ma TKC. Tu ne parlais plus d'un moment. Tu étais le porte-parole des abeilles. Tu étais l'abeille de Flore. Tu étais l'abeille de Flore. Maintenant, combien de... elles sont des femmes sans personnalité. Elles vont courir. Thierry ne peut pas choper le tendon, il a 6 dents. J'avais capturé, pap, il met sur mon mur, 6 dents. Et tu veux parler à Monsieur Messan. 1 mètre et poussière, 90. Bel homme, grande taille. Grande taille, imposant. Tu combats quoi? Aucun de tes mecs, tu n'as aucun mec qui atteint Thierry, Monsieur Messan. Tous tes mecs que tu as dans ta vie, personne n'a la carrure de Monsieur Messan. Quand c'est bon, il faut l'avouer. Ah, c'est bon, il faut avouer. Tu es jalouse de ce couple. La TKC qui revient vers toi, c'est pour t'accompagner dans la haine. Mais vous allez clasher Lolo 100 millions de fois. Elle ne vous répondra pas. Elle a trop de grands projets en 2024. Elle ne répondra pas. Perds ton temps. Tu vas clasher seule avec moi. Est-ce qu'il est prêt pour toi? Parce que tu ne fais pas ça par rapport à soit ma boss, soit ce monsieur. Tu le fais parce que j'ai mis tes fesses dehors. Et je ne mens pas quand je parle de vous. Eux, je ne peux pas parler d'eux pendant 100 ans. Mais toi, Ngombongo, je peux parler de toi pendant toute la vie. J'ai habité avec toi, j'ai vécu avec toi. Tu es arrivé en France, tu m'as trouvé ici. J'ai vécu avec toi. Elle t'a trouvé en France, hein. Mais elle a fait venir sa fille, son fils et sa petite fille. Elle t'a fait venir en France, mais elle a eu un logement avant toi. Elle vit chez elle depuis des années. Elle t'a fait venir, elle t'a trouvé en France, mais quand tu vendais le piment à Bordeaux, tu n'étais pas avec elle. À aucun moment, on a cité Nadège. Dans ton récit de Bordeaux, tu n'étais pas avec Nadège. Regardez l'aigreur. Malgré le filtre. Moi, on fait le direct sans filtre. Je suis sûr de mon teint. C'est sans filtre. Quand elle met le tu as couché ton enfant là sur mes mains. Donc, toi, je peux parler de toi toute la vie. Eux là, je peux parler le peu que je connais, que j'ai parlé avec eux. Mais toi, je peux parler de toi. C'est-à-dire, on me réveille à n'importe quelle heure qu'on me dit de parler de toi. Moi aussi. On me revient à n'importe quel homme, me dit de parler de la teub si je peux parler de toi. J'ai toujours à dire pour toi. Mes prochains directs seront structurés. Je vais te teindre. Je peux parler de toi pendant 24 heures sans m'arrêter. Sans m'arrêter. Le prochain direct, je serai dans le camion rouge. Avec le seau, la serviette et les lingettes. Oui, je serai dans un camion rouge avec le seau, la serviette et les lingettes. Je peux parler de toi sans m'essouffler. Oui, mais je ne vante pas. C'est tout. De toi. Sans bégayer. Mais Flore la fuit, dis donc. Sans Flore faire un jeu, non. Mais j'espère
que le moment venu. Oui, on attend. Pendant 5 ans, ça va tomber. Il faudrait que Pendant 5 soit là. Mm-hmm. Faudrait pas que Pendant 5 te tourne le dos parce que quand j'ai entendu Pendant 5 parler, c'est que Amel Kamel a eu le bon au Cameroun, que c'était lui. Jamais. Mm-hmm. C'est faux. Ça, c'est faux. Ça m'intéresse pas, j'avance. Pas de FAO. Tu as amené une situation ici sur la toile. Tu es parti payer des gens. Tu as nié. On t'a dit de t'excuser. Neuf. Tu as été incapable de t'excuser. Tu as plutôt continué à faire des réunions machiavéliques. La copine de Thierry, les réunions quoi? Attendez, va encore écouter. La vie, c'est ouais, Seigneur. On la laisse. Me filmer. La maison de Marie, la régie. A idée. La personne qui a l'information sur elle m'appelle. Tu auras une reconnaissance. J'ai dit, Langassi, mais c'est là qu'elle a tout sur elle. L'intimidation ne passe pas. Quand vous insultez les gens sur les réseaux sociaux, on vous insulte supporter. Tu as dit que tu as tout sur Madame de Sarno. Comment tu demandes encore les informations? Yeah. Yeah. Tu as dit que tu as tout, non? Elles sont même prêtes à témoigner. Tu veux encore que l'information. Mais nous, les témoins, écoute. C'est ça, on se te charge ton téléphone. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Hein? Tu as une récompense quand même consistante. Une récompense consistante. Je dis, il y a deux personnes qui m'ont déjà appelé. Il y a une personne qui est prête à témoigner. Mm-hmm. La personne qui connaît la vie de Marie, la régie depuis le Cameroun. Appelez-moi, je mets le numéro là. Appelez-moi, WhatsApp. Christian, même pour service rendu, monsieur ne sait pas la raconter, il ne peut pas la regarder. Il ne peut pas la regarder. Monsieur me sent, à l'époque, vous pouvez pas aller voir une waka dans le camion. C'est une star. À l'époque, la star qui était Sanga. Tu avais vu le level. Les gens qui l'abordaient. C'est cela que vendu le piment au camion. Il peut perdre sa client, son client. Jamais. Parce que le corps qu'il a ne peut pas entrer dans ces petits camions-là. Jamais. Elle a que les petits camions comme ça. Le corps-là ne peut pas entrer dedans. Jamais. Ce qui va bouger le camion-là. Pas possible. Ça est logique. Je mets le numéro, j'épingle. Oui. Tana vous a touché. Les gens pour venir insulter. Imagine les gens pour venir insulter ma moulet d'acier comme ça là. T'es ma bongo, tes pieds qui sont durs là. Quel est ma bongo? 31. Je peux parler de Ngombongo Indi du 1er au 31. Ngombongo Indi, ce qui se passe là, ça l'arrange. Elle est contente. Puisqu'elle a ces personnes avec qui elle parle. Qu'elle sait que moi aussi je parle avec ces personnes là. Elle a dit que non, que c'est moi qui avais encouragé pas des FAO de lui porter plainte. Alors, il faut qu'on s'entretue, qu'elle ait fait son one-man show, qu'elle ne pourra jamais aimer des FAO. Contrairement à toi, si vous arrêtez le vacarme, si vous arrêtez le vacarme, le massacre, nous on va arrêter. Contrairement à toi, nous sommes fair play. Si vous arrêtez ce massacre, ce vacarme, nous on va arrêter. Tout de suite. On ne dit pas dans mauvais rêve. On va arrêter. Donc, pour te dire que tu sois ami avec M. Messan, ça ne dérange pas Nadège. Elle a son ami qui est Google. Son ami, c'est Google. Google, c'est l'ami de Nadège. Elle n'a pas besoin. Ton amitié ou bien ta fraternité avec M. Messan t'a amené où? Vraiment, sa femme fermait sa bouche. Elle fermait sa bouche. C'est pour ça que tu mets un numéro pour avoir des informations sur elle. Elle savait à qui elle avait affaire. Parce que normalement, tu devais avoir tout. Tu n'aurais plus besoin de mettre un numéro. Il y a des gens que, si je veux parler d'eux, je n'ai pas besoin de mettre un numéro pour avoir leur vie. Si Madame Besanta côtoie aussi longtemps et que tu n'as rien sur elle, Dieu merci, il faut que tu appelles les gens. Ça veut dire qu'elle était maligne avec toi. Elle était très maligne.
Il lui dit félicitations, madame Moussa. Elle savait à qui elle avait affaire. Pour la descendre, il faut que tu mettes un numéro pour que les ennemis appellent. Appelez, non? Appelez! Elle a dit qu'elle ne pourra jamais aimer des FAO. Elle est là dans le aide-moi détesté. Et je vais vous aider à vous. Je vais vous servir. Je vais vous servir. Le fils de Marie, la régie, elle a abandonné. Le fils que vous vous rappelez qu'ils étaient venus, son mari même était venu verser ses fesses ici dehors. L'enfant là, on l'a mis dehors. Il fume d'ailleurs aussi comme le fils de Ngombongo Indi. Maman, le fils de Ngombongo Indi qui a. Toi, tu es le père des enfants des gens. Toi, tu es le père des enfants des gens. Tu vois, tu dis que l'enfant de tel est comme ça. L'enfant de tel est comme ça. T'as pas été comme maman. Ma, l'enfant de tel est monté. Il est descendu. Puis tu dis fumer, c'était plus bon. Oh! Il dit qu'il fumait, mais il ne s'est pas perdu. Sean Paul, c'est un fumeur. Mais il ne s'est pas égaré. C'est un milliardaire maintenant. Fumer à l'adolescence, ne pas dire que ta vie est finie. Ta paille est où, non, ma soeur? Toujours entre les pères des enfants des gens. L'enfant de tel est monté. L'enfant de Coco Kouetou a fait ceci. L'enfant de Nadé. Ta paille est où, à quel niveau? Tu peux pas fermer ta bouche en priant Dieu de te bénir. Tu parles des enfants déjà. Même s'ils sont fous, ils sont enfants de quelqu'un. Même fous, ils sont enfants de quelqu'un. T'as pas où, non, ma soeur? Pourquoi ta bouche est tous ces enfants des gens? Qui parle de ta petite fille qui ne t'appartient même pas? Qui parle de personne? Nous, on l'a béni plutôt. Hein? On bénit Gagou. Hein? C'est Gogo, c'est Gagou. On l'a béni, hein? On ne peut pas se mettre à insulter Gagou. Non, béni Gagou. À aucun moment, je vais dire un mot déplacé à Gagou. Quand je la vois, je vois ma fille. Quand je vois Gagou, je vois ma fille. Je vois un peu les petits traits de ma fille. Je ne peux pas mettre moi à insulter Gagou. Pourquoi tu es aussi l'enfant des gens? Tu as insulté le fils de Coco qui vient de naître. Tu as insulté le fils de Coco qui n'a même pas encore 4 mois. On ne peut pas insulter Gagou. Hein. Ta paille est où? On ne pourra jamais insulter Gagou. Hein. Nous, on bénira. Quand on la voit passer, on dit béni sois-tu, Gagou. Tu es méchante. Ce que monsieur me sent et madame t'ont fait, tu es méchante. Ils ont là. On a scellé, on va dormir. Le fils de Marie, la région, c'est à Paris. Pareil. Pas de FAO. Tu as amené une situation ici sur la toile. Tu es parti payer des gens. Tu as nié. On t'a dit de t'excuser. Tu as été incapable de t'excuser. Tu as plutôt continué à faire. Je dis, le petit Depso du Maroc là. Monsieur me sent raté. Il a même voulu jouer avec vous. Il t'a raté. Tu l'as vu dans les rêves. Il a envoyé quelqu'un te faire quoi? Monsieur me s'est envoyé quelqu'un te faire. Que tu es qui? Tu représentes quoi? Tu es une menace pour lui. Tu es une menace pour lui. Jusqu'il va envoyer les gens pour te frapper, qu'on prenne ton téléphone. Qu'est-ce que tu vas dire de monsieur me s'en? Tu connais quoi sur sa vie? Une bande de menteurs. On aurait dû te. Je dis, hein? On t'a raté, man. On t'a loupé. Yeah, on t'a loupé. Pardon. Les aventures de la famille des Grimont, il était collé comme ça avec Flore. C'est elle qui est venue les séparer. Si madame ne sera pas pu se confier à toi, c'est au Depso du Maroc, au Depso du Maroc qu'elle va aller se confier. Oh, on t'a loupé. On allait te taper comme ça là. Tu faisais même 6 mois à l'hôpital. Tu devais parler. Pardon à qui? Demandez pardon à qui? N'importe quoi. Les réunions machiavéliques. Hein, machiavéliques. Faire des associations, des groupes. Avec pour vouloir détruire une femme qui vous a tendu la main. Je ne suis dans aucun groupe. Aucun groupe. Aucun groupe.
Je vois que vous venez même parfois en guerre sur la toile. Une femme qui a tendu la main comment? C'est Madame Messan qui a tendu la main à ta patronne. C'est toi qui tend, c'est toi qui tend la main à ta patronne. C'est toi sa patronne. C'est toi sa patronne. Je te donne quelques points. Elle n'est pas ta patronne. C'est elle qui vient vers Madame Messan. Je t'admire beaucoup. Elle-même nous l'a dit. Dans les directs qu'il faisait avec Madame Messan. C'est elle qui vient par Madame Messan. Parce qu'elle elle aime la prestance de Madame Messan. Elle aime le calme de Madame Messan. Elle aime l'attitude, le comportement. Elle vient vers Madame Messan pour lui demander de faire la publicité de ses produits. Elle a tendu la main à l'autre. Madame Messan commence à faire la publicité des produits. La preuve, au restaurant, chez, comment elle s'appelle encore, le nom m'échappe. Chez Cynthia, en une soirée, elle a vendu 10 000 euros. Mémé était à cette vente privée. Mémé a payé les produits d'au moins 400 euros. Elle a vendu 10 000 euros. Qui a tendu la main à l'autre? Elle vous tend la main. Oh, tais-toi. C'est Madame Messan, sa patronne. Tu es sa patronne. Parce qu'elle vient vers toi. Parce qu'elle a besoin d'un service. Le patron est celui qui rend le service. Tu lui rends un service. En faisant, bref, peut-être tu es nul, hein, en faisant la publicité de ces produits que je ne te vois même pas faire. Et en contrepartie, elle te donne quelque chose. C'est toi sa patronne. Elle paye tes services. C'est elle qui vient vers toi. Tu as compris? Elle n'a jamais été la patronne de Madame Messan. Elle n'a jamais tendu la main à Madame Messan. C'est Madame Messan qui lui tend la main. Viens, je t'accepte. J'accepte de représenter tes produits. Et maintenant, elle veut voler ses propres ailes, ça devient la jalousie. Ça devient la haine. Elle veut voler un projet qu'elle avait depuis. C'est un projet à long terme. Elle est en train d'élaborer. Et maintenant, quand le projet prend forme, où il l'a fini, il ne vous a rien fait. Cette dame ne vous a rien fait. Et vous irez lui demander pardon. Vous allez lui demander pardon. Vous ne connaissez même pas les rouages des réseaux sociaux. Vous êtes parti donner à Ngombongo Indi l'adresse de cette dame qui vous a tendu la main. Ça veut dire que les informations que Google donne là sont vraies. Hein? C'est chaud. Hein? C'est Google. C'est pas eux, c'est Google. Vous êtes parti lui donner certaines informations que vous avez parlé ensemble à cette fille. Marie la régie, soulève ton haut. Tu oublies, tu es parti te faire charcuter. En Italie, là-bas, tu as failli mourir. Je veux publier les photos là. Mon public, arrête de dire je vais. Toi-même, tu es parti te faire charcuter les seins. Parce que les seins que tu as là ne t'appartiennent pas. Ce sont les faux seins. Tu es parti, tu es allé te faire charcuter aussi. Mais c'est un message que tu envoies à Fleur de Lille. Tu es allé te faire charcuter. Les seins que tu as là ne sont pas tes seins. Ça ne t'appartient pas. Toi-même, tu t'es fait charcuter. Elle au moins s'est fait charcuter parce qu'elle a fait les enfants. Oui, c'est pas facile de porter les enfants. Le ventre prend une autre forme. Je te le concède. Même si c'est faux, que ça soit vrai. Toi-même, tu t'es charcuté. Mente. Ça me dit qu'il va finir avec moi. Parce qu'il dit que la société de sa patronne est fermée. Je vais devenir folle sur mes temps. Il a fait quoi qu'on a vu? Il a fait quoi qu'on a vu? Je vais partager les photos là. Partage. Je vais pas mettre sur ma page. Je veux partager. Partage. Marie la régie. Partage. Tu oublies que tu es parti en Italie il n'y a pas longtemps là. Te faire charcuter. Elle au moins c'est elle est allée en Italie. Elle n'est pas allée chez les Arabes là. Elle au moins elle est allée en Italie. Il n'y a pas de problème. Toi qui te moques des gens qui font la chirurgie. Alors que toi-même tu es là. Dès que tu entends qu'il y a un endroit là-bas
tu cours pour partir faire. Mais elle a encore fait où? Parce que tu veux recommencer ton ancien métier du piment. La jalouse. Lève-toi, tu vas vendre ton piment, ma soeur. Va vendre ton piment au camion, tu nous laisses tranquille. Tu es jalouse. Tu es jalouse. Toi-même, tu as charcuté tes seins. Tu n'es pas bio comme nous. Tu as charcuté tes seins. Tu es jalouse. Suivre. Quand tu m'appelais trop, ma double BS, C'est toi qui l'as. Tu voulais m'attirer pour vendre le piment. J'ai dit que non. Hein? J'ai le bébé. Je ne veux pas. Tu qu'on voulait l'attirer pour vendre le piment. Pourtant, il y a 20 ans, elle vendait le piment dans un camion bleu. On voulait l'attirer pour vendre le piment. Hein? Pourtant, il y a 20 ans, elle vendait le piment dans un camion bleu. On peut faire ça. On peut faire ça. Elle allait se charcuter pour son mari. Toi, dans un camion bleu, il y a 20 ans. Je mens. Est-ce que je mens? Tu ne mens pas. Est-ce que je mens? Marie la régie, tu fais trop jard comme si tu es sounoise. La plus grosse tucuntu de la terre, c'est Marie la régie. Ça arrivait là-bas. C'est qu'il était du piment. Oh. Même le piment est étonné. La fille avait dormi, pardon, ça m'a dépassé. Donc, elle est venue. Ma camion rouge. Marie la régie, la plus grosse tchukuntu. Une femme qui touma avec les gars. Tu crois que tu peux touma avec un gombongo indi? Tu vas supporter le deuil. Même ça n'a pas marché. Soulève ton haut. On t'a charcuté. Seigneur. Tu m'as appelé ici pour me dire que BS, tu allais entendre que je suis morte. Seigneur, je suis morte. Il dit que BS. Il te dit que BS, dis-moi. Moi, j'ai trop pris du poids. Moi aussi, je veux. Tu m'as dit que tu voulais d'abord mettre l'anneau. Ouais. Nouveau groupe avec la photo de ma boss. C'est même où? Il y a un nouveau groupe. 31. Je peux parler de Ngombongo Indi du 1er au 31. Ngombongo Indi, c'est qui c'est? 31. 31. 31. 31. 31. Attendez. Ouais. Tu pouvais me berger. Si tu me bergeais, tu n'as pas perdu la maison. Ouais. J'ai perdu. Même ça n'a même pas marché. Soulève ton haut. J'ai perdu la partie. On t'a charcuté. J'ai perdu la partie. Je dis bien au grand Jean. Je dis bien. Même ça n'a même pas marché. Soulève ton haut. On t'a charcuté. Tu m'as appelé ici pour me dire que BS, tu allais attendre que je suis morte. Elle a coup d'argument rose. Elle a coup d'argument. Elle a coup d'argument. Tu te dis que BS, dis-moi. Elle a coup d'argument. Moi, j'ai trop pris du poids. Moi aussi, je veux. Tu m'as dit que tu voulais d'abord mettre l'anneau. Après, tu as dit que non. Tu veux pas qu'on enlève carrément le ventre. La jalousie. Tu as failli mourir. Regardez. Tu ne viens pas dire ça aux gens. Regardez la haine. Que tu es parti te faire opérer en Italie, tu as failli mourir là-bas. Viens dire ça aussi aux gens. Viens le dire. Que tu es parti en Italie, on t'a charcuté le corps. Viens le dire. La haine. Il faut venir dire ça aux gens. Tiens. Tu oublies de venir dire ça aux gens. Hein? Que tu es la plus grosse tchukune tchui. Hein? C'est que moi, quand je suis affachée dans ma bouche, je ne porte pas caleçon. Ah bon? Je connais deux personnes avec qui tu entends. Et tu sais que je ne mange jamais. Ouais. Elle je connais deux personnes avec qui tu entends. Maman. La honte de ça. Dans tes mamounes là. Dernière fois, il y a eu la cham là-bas là. Dans votre restaurant là-bas là. Où tu peux discuter les gars. C'est parce que parmi les deux gars là, il y a une que je respecte beaucoup. J'allais donner le nom tout de suite. Ça allait faire boum. Le jour que nous étions là-bas là. Tu n'étais pas discuté avec un gars. Oh non, je n'aime pas ce que tu m'as fait. Okay. Oh non, j'aime pas ça. Les filles, continue demain. Je vais me coucher. Il y a une là qui est là-bas qui dit qu'elle connaît
ou c'est à Nantes. Tu ne tourmas pas avec elle. Ok. Tu ne tourmas pas avec elle. C'est pitoyable, les filles. Tu sais très demain. Bien que tu es une chicune, tu non. Je vais me coucher, je suis fatiguée. On continue demain. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit à tout. Demain, c'est dimanche. On va continuer demain. Bonne nuit à tout le monde.